pays grand. Pour servir Dieu, oui, il y a de la place. Mais il faut avoir à tout prix le cœur pur. Pour être toujours utile entre ses mains, le bon Dieu. Le bon Dieu, tu peux devenir grand. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Il y a de la place. Et il faut. Et moi, moi, à tout prix le cœur pur. Pour être toujours utile entre ses mains. Devant Dieu, tu peux devenir grand. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Il y a de la place. Mais il faut avoir à tout prix le cœur pur. Pour être toujours utile entre ses mains. Les fils d'Élie, appelés à servir Dieu, avaient violé les règles de l'alliance. En se livrant à l'impudicité, ils s'étaient tous disqualifiés. Mais le jeune Samuel est resté pur et fidèle à l'alliance de Dieu. Dieu l'a utilisé, Dieu l'a utilisé, Dieu l'a utilisé puissamment pour son bien. Mon Dieu, tu peux devenir grand. Mon cher Dieu, il y a de la place. Mais il faut avoir à tout prix un cœur pur. De Dieu pour sa vie, l'ennemi n'est pas allé le chercher. Il s'est livré lui-même par sa désobéissance. Devant Dieu, tu peux devenir grand. Servir Dieu, servir Dieu, il y a de la place. Mais il faut avoir à tout prix un cœur pur. Pour être toujours utile entre ses mains. Devant Dieu, devant Dieu, tu peux devenir grand. Pour servir Dieu, pour servir Dieu. Oui, il y a de la place. Mais il faut avoir à tout prix un cœur pur. Pour être toujours utile entre ses mains. Les nous avons vu et entendu, c'était Dieu nous disant, mes chers enfants, je veux travailler avec vous, les résurrections, toutes ces guérisons que nous avons vues et entendues, c'était Dieu nous disant, mes chers enfants, je veux travailler avec vous. Levez-vous, levez-vous. Dis à ton voisin que tu l'aimes, que tu aimes Jésus. Tell your neighbor that you love him and you love Jesus. Si tu ne le connais pas, tu lui dis, si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, voici le jour. If you don't know him, tell him if you have not yet given your life to Jesus, this is the day. Tu lui dis, j'ai détruit la chose qui t'empêche de donner la vie à Jésus.
Tell him I destroy that which is stopping you from giving your life to Jesus. Tu dis, je détruis la haine de Dieu dans ton cœur. Tell him I destroy the hatred of God in your heart. Je chasse le diable de ta vie. Say, I cast out the devil from your life. Maintenant, dis Satan, tu ne touches à personne dans cette salle. Au nom de Jésus. Say, Satan, you touch nobody in this hall in the name of Jesus. Dis, va-t'en vite. Say, out, quickly. Dis que ça, c'est une assemblée des enfants de Dieu. Say, this is an assembly of children of God. Ta place n'est pas ici. Your place is not here. Va-t'en. Out. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus. Dieu ne te donnera pas ce que tu ne veux pas. God will not give you that which you don't want. Dieu ne te donnera pas le cœur pur si tu ne veux pas un cœur pur. God will not give you a pure heart if you don't want a pure heart. Si tu veux vivre dans le péché, if you want to live in sin, Dieu va te libérer. God will let you. Pour que tu vives dans le péché. So that you live in sin. Lis pour nous Romains chapitre 1 verset 20, verset 20 et 21. Read for us Romans chapter 1 verse 20 and 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power, his divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave thanks to him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Dis jusqu'au verset 26. To verse 26. Vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Reprends le verset 23. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Si tu veux vivre dans le péché, if you want to live in sin, si c'est vraiment là ton désir, if that is truly your desire, Dieu te dit, God tells you, va vivre. Go on.
Si c'est tout ce que tu as trouvé bon de faire sur la terre. If that is all that you found good to do on the earth. Si c'est ce qui possède tes pensées. If that is what possesses your thoughts. Tu veux être impur. You want to be impure. Dieu te dit. God tells you. Sois impur. Go on. Be impure. Et quand Dieu te dit sois impur, and when God tells you be impure, tu sais ce qui t'attend. You know what awaits you. Ça veut dire que tu as commis un péché qui mène à la mort. You, it means that you have committed a sin that leads to death. Il n'y a personne dans les cieux sur la terre qui pourra te pardonner. There is nobody in the heavens or on earth who can be able to forgive you. Si Dieu te dit je suis ton créateur, adore-moi. If God tells you I'm your creator, worship me. Tu dis non, j'adore le crocodile. You say no, I worship the crocodile. Dieu se révèle à toi et dit je suis le tout puissant, j'ai créé les cieux et la terre, adore-moi. He says he reveals himself to you and says I am the creator of heaven and earth. Tu dis non. Worship me. Mes ancêtres adoraient le serpent, je vais adorer le serpent. You say no, my ancestors worshipped snakes, I worship snakes as well. Dieu te dit. God tells you. Va adorer le serpent. Go and worship snakes. C'est le plus grand malheur qui peut arriver à l'homme sur la terre. That is the greatest evil that can happen to man on the earth. Que Dieu te dit. That God tells you. Tu vas adorer les crânes de tes ancêtres, n'est-ce pas? That you go and worship the skulls of your ancestors, right? Il te parle, il donne les visions, les songes, il envoie les évangélistes, les prophètes, les pasteurs. Tu lis la Bible, tu dis je vais adorer les crânes. He speaks to you, he gives you visions, dreams, sends you evangelists and prophets, and you still insist that you are going to worship, that you are going to worship the skulls. Je te dis, God tells you, va adorer. Go and worship. C'est fini. That's it. C'est fini pour toi. It is finished for you. C'est pour cette raison. That is why. Que quand tu entends la parole de Dieu. That when you hear the word of God. Il faut faire attention. You should be careful. Lis pour nous Hébreux chapitre 4 verset 1 à 3. Read for us Hebrews chapter 4 verse 1 to 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Lis le verset 7. Read verse 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. La parole de Dieu nous donne un exemple des gens qui n'avaient pas accepté d'adorer le vrai Dieu. The word of God gives us an example of people who did not accept to worship the true God. Ils avaient méprisé le don de Dieu. They despised the gift of God. Ils avaient méprisé la loi qui leur avait été révélée à la montagne. They despised the law that was revealed to them on the mountain. Et Dieu a dit, and God said, vous n'entrerez pas dans mon repos. You will not enter my rest. Le repos là, c'est la vie éternelle. That rest is eternal life. Vous n'entrerez pas dans mon repos. You will not enter my rest. Et la parole dit. And the word says, toi, you, aujourd'hui, today, si tu entends cette voix là, if you hear that voice, n'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Comme ceux-là avaient fait. As those ones did. Si tu endurcis ton cœur, if you harden your heart, Dieu va te livrer. God will give you over à tes passions, to your passions, et tu seras jeté dans le lac de feu. And you will be thrown into the lake of fire. Tu seras jeté dans le lac de feu. You will be thrown into the lake of fire. Si tu veux boire,
If you want to drink, Dieu va te dire va à la Solibra, va boire. God will tell you go to Solibra and drink. Va, on met un tuyau dans ta bouche, la bière entre. Va. Go and they will put a pipe into your mouth and then alcohol will enter inside and you drink. Et Jésus a dit, Jesus said, que servirait-il un homme? That what would it profit a man? De gagner le monde entier. If he gains the whole world, il perdait son âme. And lose his soul. Si tu bois toutes les bières du monde, if you drink beer of the entire world, tu vas à l'enfer. And you go to hell. Qu'est-ce que tu gagnes? What will you gain? Si tu as toutes les prostituées, if you have all the prostitutes, tu commets tous les péchés. And you commit all sins. Après tu meurs. And then after that you die. And you die. And they bury you. Ferme la terre. And they close the earth. After that, jour du jugement, on the day of judgment, tu ressuscites. You resurrect. Et tu vas dans le lac de feu. And you go into the lake of fire. Qu'est-ce que tu auras gagné? What would you have gained? D'abord, qu'est-ce que tu as même gagné? Là où tu es assis là. Besides, qu'est-ce que le péché t'a donné? Besides, what have you gained where you are seated? What has sin given you? Tu abandonnes Dieu pour être ami des hommes. Où sont ces hommes-là? Ils t'ont rejeté même. You abandon God to be the friend of men. Where are those men? They have all rejected you. Il y a des femmes qui abandonnent Dieu et s'en vont chez les marabouts et les marabouts les violent. There are women qu'est-ce que tu as gagné? There are women who abandon God and they go to witch doctors and witch doctors rape them. What have you gained then? Ce que tu désires sincèrement, that which you sincerely desire, Dieu va te donner ça. God will give it to you. Même si ça doit t'amener à l'enfer, even if he'll take you to hell, dans le lac de feu, in the lake of fire, c'est ce que tu désires. It's what you desire. Dieu te donne ce que tu désires. God will give you that which you desire. Ceux qui désirent le cœur pur, those who desire a pure heart, Dieu va leur donner un cœur pur. God will give them a pure heart. Ils vont expérimenter étant vivants. Étant dans le corps mortel, étant sur la terre, ils vont expérimenter un cœur qui aime Dieu d'une manière sincère et sublime. They will experience it while living, while they are still on earth. They will experience the pure heart that God gives to one who accepts him. David a crié, je t'aime, ô Éternel. David cried out, I love you, O Lord. Quand Dieu te donne un cœur pur, when God gives you a pure heart, tu expérimentes l'amour de Dieu sincèrement. En réalité, you experience the love of God sincerely, in reality. Si les païens te voient, ils pensent que tu t'amuses. When pagans see you, they'll think that you're joking. Mais c'est vrai. But it is true. Il a reçu un cœur pur. He has received a pure heart. Et il aime Dieu. And he loves God. Il aime Dieu. He loves God. Il aime Dieu. He loves God. Ce que tu désires, that which you desire, ce qui est dans ton cœur, that which is in your heart, Dieu va te donner ça. God will give it to you. Mais la prière de tous les saints, but the prayer of all the saints, c'est que tu aimes Jésus, is that you love Jesus, et que tu aies la vie éternelle, and that you should have eternal life. Quand Dieu livre, when God gives you up, c'est parce que tu l'as contraint, is that you have constrained him. Ta méchanceté l'oblige à te juger. Your wickedness obliges him to judge you. Même si tu verses beaucoup de larmes, even if you shed many tears, ce n'est pas ça qui compte. That is not what counts. C'est ce que ton cœur désire. It's what your heart desires. Si tu veux te sauver ce matin, if you want to be saved this morning, si tu es un invité, if you are an invitee, et que ton cœur bat pour Jésus, and your heart beats for Jesus, tu sens tes désirs, you feel your desire, c'est levé vers le Seigneur Jésus, rises up towards the Lord Jesus. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Dieu te donnera ce que tu désires. God will give you that which you Dieu desire. Te donnera ce que tu God tu will désires. Give you that which you desire. Et Dieu te donnera ce que tu désires. And God will give you that which you desire. Sois sérieux devant Dieu. Be serious before God. Même si tu es tombé, even if you are fallen, et que tu es fatigué dans ta chute, and you are tired in your fall. Si tu veux vraiment revenir, if you want to truly come back, si ton cœur brûle, if your heart d'envie de revenir, if your heart is burning with desire Dieu to come va back, te ramener. God will bring you back. Il y aura une main puissante, there will be a powerful hand, qui va se saisir de toi, which will lay hold of you, et tu ne seras pas perdu, and you will not be lost. Tu ne seras pas perdu. You will not be lost. Oh, tu ne seras pas perdu. Oh, you will not be lost.
tu ne seras pas perdu. You will not be lost. Le Seigneur dit, the Lord says, si tu veux revenir, if you want to come back, si tu veux revenir, you want to come back, je rends cela possible. I will make it possible. Et j'ouvre mes bras, and I will open my hands, pour t'accueillir, to welcome you. Si tu veux revenir, if you want to come back, si tu veux revenir, if you want to come back. Relis l'épître aux Hébreux. Relis jusqu'au verset 6. Read for us Hebrews once again. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme l'a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Lis le verset 8. Lis verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre repos. Le verset 8 dit que il ne s'agit pas du repos terrestre dans la terre promise. It's not about earthly rest in the promised land. Parce que Dieu leur avait déjà dit que c'est une terre de repos. Because God had already told them that it was a land of rest. Et ils étaient déjà dans la terre promise. And they were already in the promised land. Mais c'est après ça que Dieu leur a dit, vous n'allez pas entrer dans mon repos. But it was after that that God told them, you will not enter my rest. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas du repos de la terre, c'est le repos éternel. It means that he was not talking about earthly rest, he's talking about eternal rest. La vie éternelle. Eternal life. Et la parole dit. And the word says, si donc, if then, tu entends la voix de Dieu dans ta conscience. If you hear the voice of God in your conscience, si le Saint-Esprit crie en toi, if the Holy Spirit cries out to you, donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Si les hommes, les femmes te rendent visite, if men and women visit you, et chacun t'exhorte, and each one exhorts, donne la vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne la vie à Jésus. Give your life to Jesus. Il faut faire attention. Be very careful. Dieu est en train de travailler pour toi. God is working for you. Et si tu lui montres, and if you show him, que lui il n'est rien, that he is nothing, que tu as tes désirs, that you have your own desires, que tu as tes plans, that you have your projects, tu as tes projets, you have your plans, il va te dire, he will tell you, tu n'auras plus la vie éternelle, you will no more have eternal life. Tu as haï ma vie, tu ne l'auras plus jamais. You have hated my life, you will never have it again. Il n'y a pas de rattrapage. There is no way to get back. Il n'y a pas de purgatoire. There is no purgatory. Que étant sur cette terre, tu méprises Dieu. Tu dis quand je vais mourir, mon âme va faire un saut pour tomber dans le paradis. On t'a trompé. That on earth you despise God, and then when you die, you say your life will make a stop over somewhere before getting to paradise. Dès que quelqu'un méprise le salut sur cette terre, as soon as someone despises salvation on this earth, il est maudit. He's cursed. Tu n'entreras point dans mon repos. You will not enter my rest. Ça c'est la plus grande malédiction. This is the greatest curse. Éternel. An eternal curse. Que Dieu dise à quelqu'un,
that God tells someone, tu n'entreras point au paradis. You will no more enter paradise. Parce que tu aimes le monde. Because you love the world. Tu me méprises. You despise me. Tu me méprises. You despise me. Tu n'entreras point. You will not enter. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Ce n'est pas une affaire de religion que quelqu'un entre dans sa chambre, il crée son église, il fait comme il veut. It is not an issue of religion that someone gets into his room and creates his religion. Il fait comme il veut. And he does as he wants. Il choisit le titre qui lui plaît. He chooses the title that he wants. S'il pense qu'il est avantageux pour lui d'être appelé évangéliste, il dit je suis évangéliste. If he thinks that it's advantageous for him to be called evangelist, then he calls himself an evangelist. S'il pense qu'il est avantageux pour lui d'être appelé exorciste, il dit je suis exorciste. If he thinks that it's advantageous for him to be called an exorcist, he calls himself an exorcist. S'il pense qu'il est bon qu'il soit prophète, il dit je suis prophète. If he thinks that it's advantageous for him to be called prophet, then he says I'm a prophet. S'il pense qu'il doit regrouper tous les titres, il les regroupe. If he thinks that is good for him to put all the titles together, then he puts them together. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Apostle, pastor, prophet, evangelist. Et il s'entoure des gens qui n'aiment aucune vérité biblique. And then he gathers around him people who don't love any biblical truth. Le Seigneur dit, the Lord says, je ne les ai point envoyés. I have not sent you. Je ne les ai point envoyés. I did not send them. Je ne les ai point envoyés. I have not sent them. Il dit. He says. Dans Jérémie. In Jeremiah. Chapitre 23. Chapter 23. Il dit s'ils avaient assisté à mon conseil. Say that if they had listened to my counsel. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et l'aider à revenir de leur mauvaise voie. They would have made my people to hear my word and then tell them to leave from their evil ways. Les vrais enfants de Dieu. True children of God. Aidez les gens à revenir à Dieu. Help people to come back to God. En abandonnant leur mauvaise voie. By abandoning their evil ways. Aujourd'hui. Today. Comme tu as entendu sa voix. As you have heard his voice. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Tu vas donner ta vie à Jésus. You will give your life to Jesus. Mais le diable va souffrir. But the devil will suffer. Parce que tu vas l'abandonner. Because you abandon him. Avant tu disais j'aime Jésus mais tu n'abandonnais pas le diable. Before you used to say I love Jesus but you did not abandon the devil. Donc ça ne lui disait rien même. But it meant nothing to him. Pour lui tu plaisantais. For him you were just joking. Aujourd'hui. Today. L'enfer. Hell. Saura que tu as donné la vie à Jésus. Will know that you have given your life to Jesus. Si tu es envoûté, ça finit aujourd'hui. If you are bewitched, it ends today. Parce que quand l'esprit de Jésus entre, because when the spirit of Jesus comes in, c'est pour te délivrer. It is to deliver you. Il dit, si le Fils vous a franchi, he says if the Son set you free, vous serez réellement libre. You will be free indeed. Quand on se donne volontairement à Jésus, when you voluntarily give yourself quand to Jesus, il entre, when you enter, il entre en vainqueur. When he comes in truth. Il brise les chaînes. He breaks the chains. Il casse les prisons. He breaks the prisons. Il libère les captifs. And he sets the captives free. Quand il était dans ce monde, when he was in this world, quand il a dit, je te remets mon esprit. Quand il a dit à son père, je te remets mon esprit. La terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. When he said to the father, into your hands I commit my spirit, the earth trembled and graves were opened and people avant le jour de la résurrection. Even before the day of resurrection. Quand il est sorti de la tombe. When he came out of the grave. Les morts sont sortis. The dead also came out. La Bible dit qu'on les voyait à Jérusalem. Plein, on les voyait. On reconnaissait. Mais celui-ci, on l'avait enterré. The Bible says that they saw them in Jerusalem. They saw them everywhere. And they said, this one acclamons has been buried. Let's clap for Jesus. Si tu donnes ta vie à Jésus, you give your life to Jesus, tu auras une histoire à raconter. You have a story to tell. Et tu finiras par être soit parmi les semeurs, soit parmi les évangélistes, les pasteurs, les apôtres. And you will be amongst the sowers or amongst the evangelists. Parce que
la gloire de Jésus va t'habiter. Because the glory of Jesus will abide in you. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to Jesus, je t'ouvre la porte. I open the door to you. La possibilité de te lever et de monter ici. The possibility of climbing to this place. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to Jesus, lève ta main. Raise your hand. Viens ici. Come up. Tu veux donner la vie à Jésus, lève-toi et tu viens donner. If you want to give your life to Jesus, stand up and give your life. N'attends pas qu'on t'exhorte. Satan wants to exhort you. N'attends pas qu'on t'encourage. Do not wait to be encouraged. Jésus a dit, Jesus said, je suis à la porte et je frappe. I'm at the door and I knock. Je suis à la porte et je frappe. I'm at the door and I knock. Si quelqu'un entend ma voix, anyone hears my voice, il ouvre la porte and opens the door, j'entrerai chez lui. I will come into him. Je vais souper avec lui. And I'll dine with et him. Lui aussi avec moi. And he with me. Aujourd'hui, today, si tu entends sa voix, if you hear his voice, n'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Si tu es un rétrograde, if you are a backslider, lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un enfant de Dieu, if you are a child of God, et que tu étais déjà à la maison, and now you are already in the house, tu étais fatigué de faire le tour dans les églises, and you are tired of making turns in churches, mais Dieu t'a attiré ici. God has drawn you here. Si tu veux être membre de cette communauté, if you want to be a member of this fellowship, pas parce que tu le désires, parce que Dieu te dit de le faire, not because you desire, but because God is telling you to do it, lève ta main. Raise your hand. Viens. Come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Satan. Satan. Sors de cette salle. Out of this hall. Avec tous tes démons. With all the demons. Avec tous tes démons. With all your demons. Va-t'en, vite. Out. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Derrière le péché, il y a les puissances démoniaques. Behind sin is the demonic spirit, demonic power. Dès que tu es léger, tu te lèves, tu viens. As soon as you feel light, stand up and come. Tu es déjà délivré. You're already delivered. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je brise ton joug. I break your yoke. Ora baka sharga la baka sharga baka shira. Je détruis ton emprise. I break your hold. Je détruis ton emprise. I break your grip. Je te chasse de chaque vie. I cast you out of every life. Tu ramasses tout ce qui t'appartient. And take out everything that belongs to you. Tu laisses les âmes de Jésus. And leave the souls of Jesus. Et tout ce qui leur appartient. And everything that belongs to them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Nous allons maintenant prier. Si tu dois venir, fais-le tout de suite. We are going to pray a while from now. If you have to come, si tu es en haut, tu descends. If you are upstairs, come down. Si tu es dehors, tu entres. If you are outside, come inside. Si tu es un frère, lève la main droite. If you're better, raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous libérons les captifs. And we set the captives free. Tous les captifs, tous les captifs. All captives, all captives. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus Christ. Levons nos mains, intercédons pour eux. Let's stand up and intercede for them.
Raise up hands and intercede for them. Supplions Dieu. Let's plead with the Lord. Qu'il les accepte. That is to accept them. Qu'il change leur cœur. And change their hearts. Qu'il les bénisse. And that is to heal them. Dis à Dieu. Tell God. Nous les avons invités. That we invited them. Et à ton nom ils sont venus. And in your name they came. Dis à Dieu. Tell God. Nous avons prêché. We preached. Et nous avons lancé l'appel. And we launched the call. Et ils sont venus se donner à toi. And they came to give themselves to you. Dis à Dieu. Tell God. Pardonne leurs iniquités. Forgive their iniquities. Écris leurs noms dans ton livre. And write their names in your book. Change leur vie. Change their lives. Bénis-les. Bless them. Et priez comme vous voulez. Demandez tout ce qui est bien. And pray as you want. Ask everything that Prions you want. Ensemble. Let's pray together. Pendant qu'on prie pour vous, vous vous demandez seulement pardon à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu. While we are praying for you, just ask God to forgive pendant you. Pendant qu'on prie pour vous, while we are praying for you, vous demandez pardon à Dieu. Ask God to forgive you. Pendant qu'on prie pour vous, while we are praying for you, vous demandez pardon à Dieu. Ask for forgiveness from the Lord. Pendant qu'on prie pour vous, while we are praying for you, vous demandez pardon à Dieu. Ask God to forgive you. Vous demandez pardon à Dieu. Ask God to forgive you. Amen. 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 Que la grâce du Seigneur soit avec vous. The grace of the Lord be with you. Que ses desseins s'accomplissent dans vos vies. May his purposes be accomplished in your life. Qu'il soit avec vous. May he be with you. Qu'il vous protège. May he protect you. Qu'il vous donne de nouveaux cœurs. May he give you new hearts. Pour obéir à sa parole. To obey his word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Prenez quelques minutes avec les pasteurs qui vous attendent. Là, vous revenez dans la salle. Just take a few minutes with the pastors who are waiting for you in the other hall. Frère Antoine, va dire au conseiller que les âmes se plaignent que depuis qu'on a pris, certaines âmes se plaignent que depuis qu'on a pris leur nom, elles n'ont pas de visite, pas d'appel. Go and tell the counselors that some new converts are complaining. Que celles-ci ne soient pas négligées de la même façon. That some people take their names and never call them. That this one should not be neglected in that way. Dis ça à tous les conseillers, aux conseillers d'attendre un message. Tell the counselors to wait for a moment and then you tell them that. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall? À qui on a confié une âme et il ne l'a pas encore vue? To whom they handed over a young convert and he has not yet seen the person. Lève la main. Raise your hand. On t'a confié quelqu'un. You were handed over someone. Tu ne l'as pas appelé, tu n'es pas allé la voir. You did not call the person and you did not go to see the person. Certainement que des parents frères ne peuvent pas être dans la salle. Certainly such brethren are not in this hall. Nous allons continuer le message. We are going to continue with the message. Le païen. The pagan. Est un homme non régénéré. Il n'est pas né de nouveau. It's a person who is not regenerated. He's not born again. Et tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont des cœurs impurs. And all those who are not born again have impure hearts. Jésus dit qu'ils sont des hommes, ils sont chairs parce qu'ils sont nés de la chair, ils ne sont que chair. Jesus says they are only flesh because they are born of the flesh, so they are flesh. Ils ne peuvent pas changer. They cannot change. Ils sont nés dans le péché. They are born in sin. Quel que soit leur niveau d'éducation, ils seront toujours des pécheurs. Whatever be their level of education, they will remain sinners. Dieu le sait. God knows it. Dieu sait que l'homme qui a péché ne peut plus être bon. God knows that the man who has sinned can no longer be good. Son cœur est tortueux et méchant. His heart is crooked and wicked. Cependant, Dieu veut sauver l'homme. Meanwhile, God can save a man. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il décide. He decides.
d'éclairer son esprit, to integrate his spirit, de lui donner la lumière, to give him light, he enlightens his spirit and gives him light, de le sortir de l'aveuglement, de l'ignorance, to take him from blindness and ignorance. Ça, c'est ce que l'évangile est venu faire. That is what the gospel has come to do. Ça, c'est ce que Jésus-Christ est venu donner au monde, la lumière. This is what Jesus came to give to the world, the light. Et quand tu commences à voir, when you start seeing, tu choisis le vrai Dieu. You choose the true God. Dès que tu choisis le vrai Dieu, as soon as you choose the true God, Dieu te donne un nouveau cœur. God gives you a new heart. Parce qu'il sait que s'il ne donne pas un nouveau cœur, tu ne peux pas le servir. He knows that if he doesn't give you a new heart, you cannot serve him. Donc le cœur nouveau est un don de Dieu. Le cœur pur est un don de Dieu. So the new heart is a gift from God. Dieu a prévu dans son plan de rédemption qu'il va donner un nouveau cœur à tous ceux qui croient et qui viennent à lui. God in his redemption plan has purpose that he will give a new heart to all those who come to him. Pour croire, to believe, on doit te donner la parole de Dieu. The word of God must be given to you. Et qu'est-ce que la parole fait? And what does the word do? La parole te révèle les voies de Dieu. The word reveals to you the ways of God. La parole te révèle le style de vie de Dieu. The word reveals God's way of life. Ce que la Bible appelle la vie de Dieu. What the Bible calls the life of God. C'est-à-dire pardonner, aimer, travailler pour les autres. That is tout to ça, say, c'est la vie de Dieu. That is to say to love, to work for others. That is what the Bible calls the life of God. L'évangile te révèle comment Dieu a créé l'homme et qu'est-ce qu'il voulait faire de l'homme. The Bible reveals the life of God reveals to you what God did and what he wanted to do with man. L'évangile chasse l'obscurité. The gospel chases away. L'évangile éclaire. And it enlightens. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. It is the light that shines in the darkness. Et l'apôtre Paul dit, Dieu a fait briller cette lumière dans nos cœurs. And the apostle Paul says, God made this light to shine in our hearts. Quand la lumière de Dieu brille dans ton cœur, les yeux de ton cœur commencent à voir. When the light of God shines in your heart, the eyes of your heart begin to see. Tes yeux sont illuminés. Your eyes are enlightened. Et ton discernement est réveillé. And your discernment is enlivened. Et tu peux choisir les bonnes choses. And you can then choose good things. Quand tu as donc choisi le Seigneur, when you have then chosen the Lord, Dieu te donne un nouveau cœur pour que tu sois capable de vivre et de marcher avec lui jusqu'à son retour. God then gives you a new heart so that you are able to live and walk with him until he returns. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tous ceux qui n'ont pas de cœur pur, all those who don't have pure hearts, tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, all those who are not yet saved, sont dirigés par l'esprit du mal, are led by the spirit of evil. Il y a une puissance qui t'anime. There is a power that works in you. C'est la puissance de Satan. It's the power of Satan. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive seul. God did not create man so that man should live alone. Dieu a créé l'homme pour que l'esprit de Dieu habite dans l'homme. God created man such that the spirit of God will abide in man. Et que l'esprit de l'homme influence les émotions de l'homme, les choix de l'homme. And so that the spirit of man should influence the choices of man and his decisions. Et comme l'homme n'est pas un morceau de bois ni un animal, Dieu lui a donné des lois. Il lui a donné l'obéissance, une faculté qui lui permet
de se soumettre à Dieu. As this man is not a piece of wood or animal, God gave him a faculty and obedience and gave him laws so that he can be able to obey and live by them. Donc l'homme doit garder la présence de Dieu en lui par l'obéissance. So man must keep the presence of God in him through obedience. Et l'homme doit marcher dans les voies de Dieu en exerçant la foi. Man must walk in the ways of God by exercising faith. Quand tu reçois un cœur nouveau, when you receive a new heart, tu as besoin un de l'obéissance. First thing you need is obedience. Parce que l'esprit de Jésus qui entre en toi doit te guider dans ta marche. Because the spirit of Jesus that gets into you must guide you in your walk. Et il faudra que tu obéisses à la voix que tu entends. And you therefore need to obey the voice that you hear. Et tu dois marcher par la foi. And you must walk by faith. En restant attaché à la parole de Dieu. By remaining attached to the word of God. Parce que la Bible dit, because the Bible says, quand nous étions encore dans le monde, while we were still in the world, dans nos péchés, in our sins, nous étions morts. We were dead. Et qu'est-ce qu'on faisait? What did we do? On suivait le train de ce monde. We're following the ways of this world. La puissance, le prince de la puissance de l'air. The prince of the power of the air. Qui agit dans les fils de la rébellion. Which works acts in the sons of rebellion. Ça veut dire qu'on était vide et une puissance démoniaque nous contrôlait. So it means that we were empty and a demonic power controlled us. Et la Bible dit, et nous faisions les volontés de nos pensées et de notre chair. And the Bible says we were doing the will of the thoughts of our flesh. Maintenant, but now, quand tu reçois le cœur pur, when we receive a pure heart, qu'est-ce que Dieu fait? What does God do? Il met le Saint-Esprit en toi. He puts the Holy Spirit in you. Et le Saint-Esprit parle. And the Holy Spirit speaks. Il conseille. He advises. Il dirige. He guides. S'il te dit, if he tells you, attends. Wait. Tu refuses. You stop. Attends. He says wait. Tu refuses. And you refuse. Tu arrives ici. Tu te moques des gens. You get somewhere and you mock people. Non, non, ne fais pas ça. And he tells you no, don't do it. You say, on m'a provoqué. He said no, I was provoked. Et il devient triste. He becomes saddened. Il se tait. And he keeps quiet. Il se retire. And he withdraws. Si par l'esprit, if by the spirit, dit la Bible, says the Bible, vous faites mourir les actions du corps, you make the actions of the flesh, vous vivrez, you will live. Mais si nous pratiquons les œuvres de la chair, but if we practice the works of the flesh, nous mourrons, we will die. Ça veut dire que quand tu as reçu un cœur nouveau, it means that when you have received a new heart, tu es responsable, you are responsible, de sa bonne santé, of its good health. Tu restes attaché à la parole de Dieu. You remain attached to the word of God. C'est elle qui crée la foi en toi. It is the word of God that creates faith in you. Tu grandis. And you grow. S'il t'arrive, if it happens, de commettre un péché, that you commit a sin, après avoir reçu un cœur pur, after receiving a pure heart, il faut rapidement te repentir. You must quickly repent. Dieu te pardonnera. God will forgive you. Mais si tu restes dans la chute, but if you stay in your fall, Dieu ne pourra pas te pardonner. God will not be able to forgive you. Parce qu'il a dit, because he said, est-ce qu'on peut tomber sans se relever? Can one fall without rising? La réponse est non. The answer is no. Que celui qui est tombé se relève. That the one who falls should get up. Et il y a un prophète qui a dit, Miché. And there's a prophet who said, Micah, il dit, mon ennemi, says my enemy, ne te réjouis pas à mon sujet. Do not rejoice about me. Si je suis tombé, if I have fallen, je vais me relever. I will rise up. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm sitting in the darkness, l'Éternel va m'éclairer. The Lord will enlighten me. Un enfant de Dieu qui a reçu un cœur pur, a child of God who has received a pure heart, ne peut pas tomber dans un péché et rester dedans toute sa vie. Cannot fall in a sin and stays there all his life. Et il ne peut pas commettre le même péché d'une manière répétitive. And he cannot commit the same sin repeatedly. David a péché.
David sinned. Il a fait la vraie repentance. And he carried out true repentance. C'était réglé. And it was settled. Et Dieu dit qu'il est un homme selon sa volonté. And God says he's a man according to his will. David connaissait les voies de Dieu. David knew the ways of God. David savait. David knew qu'on ne doit pas pécher. That he must not sin. Le jour qu'il a eu à le faire, the day that he sinned, il a fait une bonne repentance. He carried out good repentance. Il dit à Dieu, tu veux que la vérité soit au fond de moi. He told God, you desire truth in my inmost being. Il a demandé pardon. And he asked for forgiveness. Il a dit à Dieu, he told God, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Renew in me a right heart, a willing heart. Il savait que quand Dieu sauve quelqu'un, he knew that when God saves someone, il lui donne un esprit nouveau. He gives him a new spirit. Quand tu pèches, when he sins, ta conscience n'est plus propre. When you sin, your conscience is no more clean. Donc ton esprit n'est plus pur. So your spirit is no more pure. Quand l'esprit est pur, when the spirit is pure, la conscience est calme. The conscience is calm. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le cœur pur est un don de Dieu. A pure heart is a gift from God. Nous découvrons donc que pour avoir un cœur pur, ce n'est pas là le vrai problème. So we discover that to have a pure heart, that is not the real problem. C'est un cadeau qui vient de Dieu. It's a gift that comes from God. Ce matin même, this morning, si quelqu'un est sincère, if someone is sincere, Dieu lui donne un cœur pur. God gives him a pure heart. C'est la vie, ta vie au quotidien, la protection de ce cœur au quotidien qui est le vrai problème des croyants. It is your daily life, the protection of this heart daily, which is the problem. Quand tu vas au funérail, when you go to a funeral, on danse, on boit, on danse, on fait le monde, on fait la tradition. Tu es déjà éprouvé, ton nouveau cœur est à l'épreuve. When you go to a funeral and the dance and the turn around the dance, your pure heart is already being tried. Tu peux te lever. You can stand. Tu dis, hey, Pasteur Meunier, ça ce n'est pas la chair. You say, oh, Pasteur Meunier, this is not the flesh. Je vais essayer, je vais danser un peu. Hey, Pasteur Meunier, est-ce que c'est la chair si je danse un peu? I will just dance a little. Pasteur Meunier, is this the flesh? Après, tu vas en mission. After that, you go on mission. Ton patron te dit, bois, bois. Your boss tells you, drink, drink. Tu dis, tu appelles Pasteur Meunier. You call Pasteur Meunier. Comme c'est le patron même qui me dit, là, je fais comment? You say, since it is the boss himself who is telling me to do it, how should I behave? Est-ce qu'il n'y a pas un autre verset qu'on peut lire? Is there not any other verse that one can read? Un autre dira, another will say, moi je veux boire et on va régler ça à Abidjan. I will drink and I will go and settle that in Abidjan. Je veux confesser à mon faiseur. I will confess to my disciple maker. Et il boit. And he drinks. Un frère a bu la Guinness. A brother drank until he got drunk. Il me dit, j'ai eu mal au ventre, j'ai bu une petite Guinness. He drank Guinness and he told me that he had pain in his stomach. Je lui ai dit, quelle est cette inspiration que dès que tu as senti le mal, tu as compris qu'il te fallait une petite Guinness. He said he felt pain in his stomach. I said, what inspiration is that? That as soon as you felt pain in your stomach, you said you ça needed a little Guinness. C'était là. It was there. Mais il y avait des freins. But there were brakes. Après, il s'est retrouvé seul. And after that, he found himself all alone. Et avec un mal de ventre. With a stomach pain. Petite Guinness. Little Guinness. Il a bu. And he drank. Et là, le cœur, la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. The Bible says, watch over your heart above all else. C'est de lui qui découlent les sources de la vie. Because from it comes the springs of life. Donc, tu veilles sur ton cœur en veillant sur ta pensée. So you watch over your heart by watching over your thoughts. Dans une méditation où Dieu voulait que je comprenne ces choses,
Il a ouvert mon esprit. J'ai recevé que la pensée est la porte du cœur. C'est-à-dire que si tu veux que quelque chose entre dans le cœur, mets-la dans ta pensée. Mets quelque chose dans ta pensée. During a meditation where God wanted me to understand how the heart functions, He made me to see that the mind is the doorway into the heart. So if you want something to get into the heart, put it in the mind. Et c'est pour cette raison que la méditation est une pratique très puissante. That is why meditation is a very powerful practice. Parce que elle consiste à méditer sur la pensée de Dieu. Donc elle connecte ton cœur à la pensée de Dieu. Because it enables you to meditate on the thoughts, on the mind of God. So it takes your heart and connects it to God's mind. Et c'est pour cette raison que les méditations transforment facilement les gens. That is why meditation easily transforms men. Ils deviennent très intelligents, très sages. They become very intelligent and very wise. La pensée est la porte de ton cœur. Your mind is the door into your heart. Si tu oublies quelqu'un, if you forget someone, tu ne peux pas l'aimer. You cannot love him. Dès que tu commences à penser à quelqu'un, when you start thinking of someone, l'amour commence à revenir. Love starts coming. Et même les païens le savent. Even pagans know it. Toutes les publicités que vous voyez là, all the immorality that you see outside, c'est pour établir un lien dans la pensée, un lien d'affection dans ta pensée pour que ça entre dans le cœur. You should keep a tie in your thoughts before it gets into your heart. Quand quelqu'un te donne sa photo, when someone gives you his picture, il dit voici ma photo, mets sur ton bureau, mets sur ta table. He says this is my picture, put it on your table. Après un mois, deux mois, tu commences à l'aimer beaucoup même. After 1-2 months, you start loving him so much. C'est pour ça que vous voyez les chefs d'État avec leurs photos dans toutes les maisons. That is why you see the heads of state with their pictures in offices. Au début, tu lances un coup d'œil, tu fais comme si tu n'as pas vu. Après, tu commences à sourire. At first, you when you look at it, you take a glance at it. It's like it means nothing. But after that, you start smiling. Et la Bible dit. The Bible says. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8. In Philippians chapter 4 verse 8. Qu'il y a des choses qui doivent occuper ta pensée. That there are things which should occupy your thoughts. Ne médite pas sur tout. Médite sur les choses vraies, les choses honorables, les choses dignes d'approbation, les choses dignes de louange, les choses pures. Don't meditate over everything. Meditate over what is good, what is worthy of praise, what is pure. Et ça va transformer ton cœur. Le nouveau cœur aime ces méditations-là sur les choses qui sont bien, les choses qui glorifient Dieu, les choses du siècle à venir avec Jésus, l'enlèvement, la vie de l'Église. Tu penses aux frères. Quand tu es rempli de ces choses-là, it will transform your heart because a new heart loves those things. When you think about what is good, what is praiseworthy, what you think about the church, think about the brethren, you think about the life to come, you think about heaven, all of those things. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, for those who were not there yesterday, écoutez ça très bien. Listen attentively. Le fardeau de ce week-end, c'est comment ton cœur fonctionne-t-il? The burden of this weekend is to know how your heart functions. Pour que tu puisses coopérer et le garder pur. So that you can cooperate and keep it pure. Et nous avons vu hier que quand Dieu te donne un cœur pur, we saw yesterday that when God gives you a pure heart, c'est un cœur qui est déjà complet. Il y a la loi de Dieu dedans. Dieu a mis déjà la loi dans le cœur de l'homme, dans le nouveau cœur. It is a heart which already has God's law inside. God has already put His law in the new heart. Il dit que ça fait partie des termes de la nouvelle alliance. It is part of the terms of the new covenant. Il dit j'écrirai mes lois dans leur cœur. He says I will write my laws in their hearts. Et Dieu a dit. And God said. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. That I will no longer remember their sins. Ni de leurs iniquités. And their iniquities. Donc Dieu jette le mauvais cœur. God throws out. It disparaît the old heart into naught. It disappears. It disparaît de toutes les existences. Disappears from all existence. Et tu restes avec le nouveau cœur. And you stay with a new heart. Pour aimer Dieu. To love God. Le premier commandement. The first commandment. Et celui qui n'aime pas Dieu.
The one who does not love God a commis le plus grand péché. Has committed the greatest sin. Parce que le plus grand commandement, because the greatest commandment, c'est d'aimer Dieu, is to love God de tout ton cœur, with all your heart, de toute ta pensée, with all your mind, et de toute ta force, with all your strength. Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, today, nous allons voir un peu, we are going to see, la place de l'affection au chaud d'en haut. The place of affection on things above. Vous notez que l'affection aux choses d'en haut est une arme, est la première arme puissante pour garder le cœur pur. Loving the things above is a very powerful weapon of keeping a pure heart. C'est la première arme pour combattre le péché dans le cœur de l'homme. It is the first weapon of fighting against sin in the heart of man. Le croyant doit savoir que le moi ne supporte jamais le règne suprême du Seigneur Jésus. The believer must know that self does not bear the reign, the supreme reign of the Lord Jesus Christ. Le moi de l'homme ne veut aucune soumission à Dieu. Man's self doesn't want any submission to God. La chair est composée de deux éléments. The flesh is made up of two elements. On va revenir dessus plus tard. We're going to read about it later on. Ces éléments sont un, le péché. These elements are first sin. Le péché en tant que principe du mal, comme une puissance qui gouverne l'être, la vie de l'homme. Sin as a principle of evil, as a power that governs the life of man. Et le moi comme l'amour propre. And self as the love of self. Quand tu entends la chair, when you hear about the flesh, il y a deux choses qui se composent la chair, le péché et l'amour propre, c'est-à-dire le moi. There are two things, that is sin and self-love. Donc le moi n'aime pas le règne de Dieu. So self doesn't love the reign of God. Tu vas découvrir par là la racine de la difficulté. You discover from there the root of difficulties. Parce que normalement, si Dieu t'a donné un nouveau cœur, because normally if God has given you a new heart, tu devrais rouler dans la justice même si tu fermes les yeux. You would abide in righteousness even if you close your eyes. Tu ne devais même pas savoir si la bière existe. You will not even need to know whether beer exists or not. Mais le fait que tu sois en Christ, mais tu as toujours tous les souvenirs de la bière. But the fact that you are in Christ and you still you have all the memories of beer. Ça doit t'étonner, mais qu'est-ce qui n'est-ce pas, j'ai reçu un cœur pur. You should be surprised about that. Asking yourself, did I not receive a new heart? Pourquoi est-ce que je veux toujours appeler ce garçon-là? Why do I always want to call that boy? N'est-ce pas, j'ai le cœur pur. Haven't I received the pure heart? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à effacer le numéro de téléphone de cette fille? How come I'm not able to cancel the telephone, to delete the telephone number of that girl? Il y a la chair. There is the flesh. C'est-à-dire le péché plus le moi, c'est-à-dire l'amour propre. That is to say sin and self, that is self-love. Ce que moi-même j'aime, c'est pas les démons, pas Satan, moi-même. That is what I love, myself, not Satan, myself. C'est ça, le vrai combat. That is the true warfare. Après la foi. After faith. Et la Bible dit, lis pour nous Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Read for us Colossians chapter 3, verse 2 and 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Amen. Le moi. Note that self. C'est le croyant vu en tant que personnalité. Is the believer seen as a personality? Avec son tempérament. Which is temperaments. Quand quelqu'un dit je n'aime pas ça. When someone says I don't like this. Ce n'est pas le diable qui parle, c'est son moi qui parle. It's not the devil speaking, it is his self that is talking. C'est la personnalité vue aussi dans ses désirs, dans ses passions. It's the personality seen in his desires, in his passions. Il est influencé par ce qu'il veut, par ce qu'il désire. He's influenced by what he wants and what he desires. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est inconstant, il est divers, il est ondoyant. That's why he's not constant. He's changing. Change. Changes. Il te fait une promesse. He makes a promise to après you. Deux jours. After 2 days. Il dit qu'il va réfléchir. He says he will think over it. Ce n'est pas le diable, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même. It is not the devil, it is himself. C'est le moi. It is self. Si quelqu'un a deux invitations. If someone has 2 invitations. D'une même nature, prenons le cas de mariage. Of the same nature, let's say inviting him to a wedding. Deux invitations. 2 invitations. À la même heure. At the same hour. Même jour. The same day. Il va commencer à chercher là où ça sera bien pour son ventre. He will start considering where it will be better for his stomach. Ça c'est le moi. Ce n'est pas les démons, c'est le moi. That is self, it is not demons. Donc à un certain moment donc, le croyant doit décider que je veux rechercher les valeurs célestes. At one point, a believer must decide that he wants to seek heavenly values. Je veux rechercher ce qui fait bien au royaume de Jésus. I want to seek that which does good to the kingdom of Jesus. That which does good to the name of Jesus. Je veux rechercher les choses qui font avancer le royaume de Jésus. I want to seek the things that make the kingdom of Jesus go forward. Le moi n'aime pas ça. Self doesn't like that. Parce que à un moment donné, il va rater des bons repas. Because at a certain point, he will miss out on good meals. Parce que tu vas aller glorifier Jésus, peut-être dans un mariage des pauvres qui ont besoin d'un encouragement de ta personne. Because you want to go and glorify the name of Jesus in a wedding of poor people who need encouragement. Plus tard, tu vas rencontrer les autres. Tu as raté. Il y avait à manger. Il y avait à manger. Later on, you meet those who went to the other wedding and they'll tell you, oh, you missed. There was so much to eat. Alors que de l'autre côté, même l'eau était finie. Whereas where you went, even water got finished. Tu dis non, c'est bon. J'étais, ça m'avait demandé d'aller de l'autre côté. You say it is okay. The Lord asked me to go to the other side. Toujours joyeux. Always happy. Ça veut dire que tu as renversé le règne du moi. It means that you have overthrown the reign of self. Et ça se fait au quotidien. And it is done on a daily basis. Quand tu as remporté la victoire d'un jour, en te couchant, tu bénis le Seigneur. When you have had victory on a certain day, when you go to bed, you should thank the Lord. Le lendemain, tu te réveilles des mêmes armes. The next day, you put on the la same weapon, armure. The same armor. Tu engages le combat. And you go on to the battle.
Porter la croix chaque jour. Carrying the cross every day. Chaque jour. Every day. Vous avez vu le Seigneur Jésus. You saw the Lord Jesus. Même sur la croix. Even on the cross. On lui a donné le vin mêlé, il a refusé. He gave him vinegar and he refused. Un autre dira, il boit même si je meurs, donne-moi, je bois. Another would have said, give it to me, I'll drink. Even if I die, let me drink. Quand tu ne veux pas, when you don't want, même si tu es à la croix, dans la souffrance, demeure ferme. Even on the cross, in suffering, remain firm. Il pouvait maudire ce brigand. He could have cursed that robber. Il a refusé. He refused. S'il est en enfer maintenant, ce n'est pas la faute de Jésus. If he's in the lake of fire today, it is not Jesus' fault. Jésus a prié. Jesus prayed. Père, pardonne-leur. Father, forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They do not know what they are doing. Chaque jour, every day, tu portes ta croix. You carry your cross. Tu suis Jésus. And follow Jesus. Tu t'attaches aux choses d'en haut. You attach yourself to things above. Ça protège le nouveau cœur. It protects the new heart. Non, le cœur nouveau que Dieu t'a donné. The new heart that God has given you. Donc vous notez que le moi est manifeste dans l'amour propre. So note that self is manifested in self-love. Dans les œuvres de la chair. In the works of the flesh. Le moi n'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer et tu vas lui dire, moi je n'aime pas ce que tu me fais là, comme on fait aux démons. Self is not someone that you are going to meet and you tell him, I don't like that thing that you're doing, as we do with demons. Mais tu vas le croiser. But you will meet him. Dans l'amour propre. In self-love. Dans les œuvres de la chair. In the works of the flesh. Dans l'amour du monde. In the love of the world. Dans l'amour des choses qui sont dans le monde. In the love of things that are in the world. Le moi ne peut pas être tué. Self cannot be killed. Il ne peut pas être éduqué. He cannot be educated. Le moi doit être combattu par l'arme du renoncement. Self must be fought by the weapon of denial, of renunciation. Le renoncement. Renunciation. Au quotidien. On a daily basis. Il y a l'influence du monde immédiat. There is an influence of the immediate world. Qui fascine l'homme et gouverne ses choix. Which fascinates man and governs his choices. Quand la Bible parle de n'aimez pas le monde, nous allons voir ça plus tard. N'aimez point le monde. When the Bible talks about do not love the world, et les choses qui sont dans le monde. And the things that are in the world. Le monde c'est quoi? What is the world? C'est le système organisé. It is the organized system de la société des non-croyants. Of the society of unbelievers. Gouverné par les démons et le diable. Governed by demons and the devil. Ou par les hommes méchants. By wicked men. C'est ça le monde. That is the world. Dans d'autres dictionnaires, on dit le monde, c'est la communauté des hommes sans Dieu. Le monde. In other dictionaries, it is said, the world is a community of men without God. Et les choses du monde. And the things of the world. Ce sont ces choses que les mondains recherchent chaque jour pour leur joie, pour leur épanouissement. Are those things that worldly people seek every day for their fulfillment and their joy? Les boîtes de nuit. Nightclubs. Ça, c'est les choses. C'est leurs choses. C'est comme les assemblées et la prière. Pour nous, il y a les choses d'en haut. Les réunions de prière, les week-ends d'enseignement, etc. Eux aussi, ils ont leur week-end.
For them, it's like weekend. It's like assembly. It's like where we go and pray for us. We have our own things like worship service or weekend of teachings. Ils ont leur musique. They too have leur manière, yes, leur manière their music, de jouer. Which they play. Ils ont leur danse. They have their dance steps. C'est pour cette raison que si tu es musicien, joue la musique, mais ne joue pas comme les mondains. That is why if you are an instrumentalist, play the music, but don't play like worldly people. Invente aussi quelque chose. Also invent something. Comme les semeurs sont en train de faire des recherches. Just like the sowers are carrying out research. Les chants que les semeurs chantent là, c'est une grande science qui est derrière. The songs that are sowers sing is great science that is behind. Carole vient rendre témoignage de ce que le professeur a dit à un frère. Il est là. Viens, viens. Gloire à Dieu. Je suis le frère Noris Aman, disciple de la sœur Carole Obatunde. Je suis professeur de musique. Et j'avais envoyé l'un de nos chants. Il s'agit du chant « Rien, tu n'emporteras rien » à l'un de nos professeurs pour qu'il m'aide à harmoniser le chant. Et quand il a vu la mélodie, il dit, mais c'est pas normal que le chant commence par un tel accord. Alléluia. Ça n'existe pas dans la musique. Alléluia. Mais moi, j'étais surpris parce que je me suis dit, le chant est tellement beau qu'un professeur me dise qu'on ne peut pas, il ne pouvait pas harmoniser. Alléluia. Donc, je suis retourné. Et ils ont réussi. Jésus-Christ. Les mondains créent même les bruits et les gens les respectent. Worldly people even create noise and people respect them. Les semeurs ont la vision. The sowers have vision. Dieu illumine les yeux du cœur. God enlightens the eyes of the heart. Et l'entendement humain. And the human understanding. Vous notez que Dieu produit la régénération de l'homme intérieur de chaque croyant. God produces regeneration in the inner man of every believer. Il ouvre les yeux du cœur. He opens the eyes of the heart. Hier, nous avons vu que le cœur a des yeux. Yesterday we saw that the heart has eyes. Pour te séduire. To be able to deceive you, le diable t'aveugle d'abord. The devil first of all blinds you. Par la séduction. By deception. Il tue ton discernement. He kills your discernment. Après il t'entraîne dans le péché. And then he draws you into sin. Mais quand Dieu arrive, when God comes, il réveille ton esprit, il ouvre les yeux de l'esprit pour que tu vois à nouveau la vérité. Revives your spirit and it opens the eyes of your spirit so that you can begin to see the truth once again. Il ouvre les yeux du cœur. He opens the eyes of the heart. Afin que le croyant puisse divinement comparer les choses et pouvoir bien discerner. So that the believer can be able to see things clearly and be able to discern. Qui puisse comparer les richesses d'en haut et les richesses terrestres. So that he can be able to compare riches from heaven and earthly riches. Quand les yeux du cœur sont aveuglés, when the eyes of the heart are blinded, l'environnement immédiat t'influence. The immediate environment influences you. Et gouverne tes goûts et tes choix. And governs your tastes and your choices. Il faut rechercher les choses d'en haut. You should seek the things from above. Il faut penser aux promesses de Dieu par rapport à l'union éternelle avec Dieu. You should think about the promises of God with regards to the eternal union with God. Tu dois penser à ce jour. You should think of that day. Quand les enfants de Dieu seront avec Jésus-Christ. When the children of God will be with Jesus Christ. Au ciel. In heaven. Dans la louange et la joie. In praise and joy.
Ça te transforme. It transforms you. Et quand tu es tenté, when you are tempted, la tentation n'a pas l'emprise sur ta volonté. Temptation does not have a grip on your will. Parce que tu as les regards sur Jésus-Christ. Because you have your gaze upon Jesus Christ. Tu as les regards sur le royaume à venir. You have your gaze upon the coming kingdom. Tu as les regards sur la récompense éternelle. You have your gaze upon the eternal reward. On ne peut plus te séduire. You can no longer be deceived. Le diable ne peut pas prendre un objet comme il a pris la pomme. Tu dis, mon ami, viens. The devil cannot take an object as he took the apple and said, my friend, look at it. Look. Il montre, si ça n'intéresse pas, il voit celui-là est dur, il laisse. He shows it, and if it does not interest you, he says that one is strong. Then he shows it to the other person. On appelle ça la séduction. It is called seduction. Quand le diable utilise les choses extérieures pour influencer tes goûts, on appelle ça la séduction. When the devil uses external things to influence your taste, it is called seduction. Quand toi-même tu as les mauvais désirs, when you yourself have evil desires, qui te poussent vers le péché, which pushes you towards sin, on appelle ça la convoitise. It is called covetousness. Les deux, two of them, produisent la tentation. Produce temptation. Quand tu as déjà la convoitise, when you have covetousness, ou quand tu es déjà séduit, or when you have been seduced, tu es sérieusement tenté. You are seriously tempted. Et la tentation accouche le péché. And temptation gives birth to sin. Et le péché accouche la mort. And sin gives birth to death. Vous voyez les conseils que la parole, c'est des conseils, ça paraît faible, affectionnez vos choses d'en haut. On aimerait bien entendre, ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas. You ça, see, c'est la loi négative. You see the advice that the Bible gives, it looks very simple. Affection yourself on things above. We might have thought that they would say, do not commit adultery, do not do this. These are negative influences. Et si on te dit ce que tu dois faire, affectionne-toi aux choses d'en. And when they tell you what you should do, that is love the things from above. Ce n'est plus ne fais pas, ne goûte pas, ne touche pas. It is no longer do not do it, do not taste, do not touch. Les enfants de Dieu cherchent ce qu'ils doivent faire. Children of God seek what they should do. C'est ça qui les transforme. That is what transforms them. Vous notez que la vision du ciel, note that the vision of heaven, et les richesses du siècle à venir, and the riches of the life to come, donne aux croyants de s'attacher puissamment au Seigneur. Enable the believer to attach himself firmly to the Lord. Par le moyen d'une espérance inébranlable. By the means of an unshakable hope. Vous soulignez le mot espérance. You underline the word hope. Dès que tu commences à contempler les choses d'en haut, once you start thinking of the things above, l'un des résultats immédiats, c'est que tu commences à désirer le jour où tu vas posséder ces choses dans leur plénitude. One of the immediate consequences that you start desiring that day when you possess these things in their fullness. Ça crée l'espérance. It creates hope. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La contemplation de la gloire à venir. The contemplation of the coming glory produit, crée l'espérance. Creates hope. Et la Bible dit, the Bible says, l'espérance, hope, garde notre âme solidement en Dieu. Keeps our souls solidly in God. Vous voyez un enchaînement. Tu vas essayer de faire comme David là. Il faut connaître les secrets que Dieu lui avait révélés. To try to behave like David,
You should be able to know the secrets that God has revealed to him. J'ai constamment le Seigneur devant ma face. I constantly have the Lord before me. Et je le contemple en esprit. And I contemplate on him in spirit. Il dit à son réveil, il se rassasie de son image. He says his reign is coming through his image. Nous aussi, we as well, nous devons contempler le Seigneur. We must contemplate the Lord. Nous devons voir son amour. We must see his love. Comment il est grand. How he is great. Quand tu vois la méchanceté des hommes, when you see the wickedness of men, tu dis, oh Dieu patient. You say, oh God is patient. Et Dieu, ton esprit voit la patience de Dieu. Your spirit sees God's patience. Ça pénètre ton âme. And it penetrates your soul. Quand tu seras tenté, when you'll be tempted, tu seras surpris. You'll be surprised. Que tout ton être va se comporter comme le Seigneur patient. That all your being would be able to behave like the patient Lord. Et tu iras de victoire en victoire. And you go from victory to victory. Nous sommes transformés à la même image. We are transformed into the same image. Parce que nous avons le visage découvert, c'est-à-dire nous avons la révélation de sa personne. Because we have unveiled faces, that is, we have the revelation of his person. Le péché qui nous barrait la vue est ôté. Spirit, the sin that used to block our view has been taken out. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dit le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, all those who have not received Jesus, ne peuvent pas voir. Cannot see. C'est quand on donne la vie à Jésus que le voile est ôté. It is when one gives his life to Jesus that the veil is taken off. Quand le cœur se donne à Jésus, when the heart gives itself to Jesus, le voile tombe. The veil is torn. Tu reçois une capacité divine de voir l'œuvre de Dieu, de contempler le Seigneur. I receive a divine capacity to contemplate the work of God. Le Seigneur devient une réalité. The Lord becomes a reality. Quand tu dis j'ai donné la vie à Jésus, when you say I've given my life to Jesus, c'est un témoignage vivant. It is a living testimony. Pour certains, quand tu dis que tu as donné la vie à Jésus, ils ne comprennent rien. For some, when you say I have given my life to Jesus, they don't understand anything. Jésus apporte la délivrance. Jesus brings in deliverance. Quand il vient dans ta vie, when he comes into your life, le voile tombe. The veil is torn. Six. Le voile doit tomber. The veil must be brought down. Si vraiment tu es entré en Christ, le if voile truly est tombé. You have come to Christ, the veil must be torn. C'est ça qui permet de persévérer. That is what allows us to persevere. Essayez d'étudier votre vie. Just try to study your life. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche de rétrograder? Just ask yourself the question, what stops me from backsliding? C'est la puissance de Jésus. It's the power of Jesus. Si vous voyez quelqu'un qui était en Christ, qui rétrograde, qui blasphème, non, il ne faut pas croire, il n'avait pas reçu Jésus. If you see someone who was in Jesus and then he backslides, he comes back, he had not believed, he was not in Jesus. Jésus ne touche pas superficiellement les gens. Jesus does not touch people superficially. Gloire à Dieu. Je suis le frère Anno Josias et mon frère disciple, c'est le pasteur Meunier Boniface.
Je voudrais témoigner ici que selon le passage de 2 Corinthiens 3, avec le verset 14 que nous avons lu, effectivement, c'est quand on te donne à Jésus que le voile, qu'un voile tombe. Et quand on n'a pas donné sa vie à Jésus, nous sommes couverts d'un voile. Et avant de venir à la CMCI, de me donner à Jésus pour venir à la CMCI, j'étais déjà dans une église. Mais j'étais aveuglé du fait qu'un enfant de Dieu ne devait pas commettre le péché. Pour moi, le péché, c'était normal pour un homme, qu'il soit enfant de Dieu ou pas. Et donner ma vie à Jésus, jour de ma conversion, un voile est tombé et j'ai compris qu'il fallait abandonner les péchés, surtout deux péchés fondamentaux. Et je veux parler de l'alcool. C'était le samedi 26 novembre 2005. J'avais rencontré le pasteur Kodjo Vincent et il m'avait rendu témoignage de ce qu'il était devenu un enfant de Dieu après avoir été croyant, évangélique, évangéliste. Et il m'avait donné un papillon, un morceau de papier, lorsqu'on se séparait, sur lequel il avait mis des versets bibliques et son numéro. Quand je suis rentré, j'ai lu les passages. Et le dernier passage, c'était Jérémie 3, à partir du verset 15. Et à la fin du verset, à la fin du passage, le Seigneur disait que « Revenez à moi, enfant rebelle, et je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Quand j'ai fini de lire ce dernier passage, et après avoir repassé le témoignage du pasteur, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Jésus que je me donnais à lui totalement et entièrement. Et j'ai prié qu'il m'aide. Je lui ai dit que je suis trop faible. J'ai prié que Jésus m'aide. Quand j'ai fini de prier, je suis resté calme et j'ai pris des résolutions dans mon cœur. Parce que j'étais en train d'être rafraîchi, renouvelé. Le premier engagement, c'était de fuir la jeune copine avec qui j'avais rendez-vous ce samedi 26 novembre 2005. J'avais rendez-vous avec elle, rendez-vous de fornication. J'avais pris la résolution de la fuir sans rien lui dire. Et pendant que j'étais à genoux, bien-aimé, j'ai entendu Ézéchiel 3, 18. J'ai ouvert, et je paraphrase le passage, il disait que « Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, qu'il meure, je te demanderai son sang. Mais si tu l'avertis, qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra et son sang retombera sur sa tête. » J'avais compris clairement que je devais parler à la jeune fille. C'est comme ça que je lui ai parlé et on s'est séparés le même jour. Alléluia. Mais concernant l'alcool, j'étais convaincu qu'on pouvait boire le vin parce que le vin était le premier miracle que Jésus avait fait à Cana dans Jean 2 où il avait révélé sa gloire. Mais ce jour, pendant que j'étais à genoux, bien-aimé, le Seigneur m'a rafraîchi l'esprit et il m'a dit que je ne devais plus toucher à l'alcool parce que je venais de me donner à lui. Et le dimanche qui suivait, le dimanche 27, nous avions à préparer un chat, les amis et moi, et nous avions prévu ajouter le vin à la cuisson. Je suis parti trouver mes amis et je leur ai dit que je venais de rencontrer Jésus et que demain, le chat que nous allons manger, il n'y aura pas le vin ajouté. On avait déjà acheté le vin. Donc je leur ai dit que vous gardez, si vous voulez, vous pouvez boire. Mais moi, le Seigneur m'a dit qu'un enfant de Dieu ne boit pas de vin, ni d'alcool. Alléluia. Et je vais dire grâce à Dieu, parce que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est un grand miracle de Dieu. Un très grand miracle. Je ne sais pas comment l'homme allait faire pour me convaincre qu'il fallait abandonner le vin que Jésus a créé. Alléluia. Il a fait en son temps, selon ma compréhension. C'est plus tard, quand je lisais la Bible, que dans Lévitique 10, à partir du verset 8, j'ai lu les prescriptions, les interdictions aux sacrificateurs, aux prêtres, et aux sacrificateurs, que Dieu avait interdit le vin et l'alcool au sacrificateur parce qu'il devait rentrer dans la tente d'assignation. Et avant de lire l'Ancien Testament, j'avais déjà lu deux fois le Nouveau Testament selon les instructions du pasteur Kodjo.
Et j'avais compris là-bas que Jésus appelait tous les enfants de Dieu à devenir des sacrificateurs pour Dieu. Et j'avais compris là-bas aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, lisant Lévitique 10, à partir du verset 8, ça a confirmé ce que Jésus avait déjà fait dans mon esprit. J'avais compris que comme je suis sacrificateur et comme je suis le temple du Saint-Esprit, où l'alcool va-t-il passer pour entrer en moi? Alléluia. Vraiment, je veux témoigner. Quand on se convertit, ça devient clair. Un voile tombe. On comprend les choses simplement. On n'a même pas besoin d'enseignant. Gloire à Dieu. Quand tu contemples Jésus, when you contemplate on Jesus, tu es transformé. You are transformed. Au début, at the beginning, c'était la régénération. It was regeneration. C'est-à-dire Dieu a mis, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est-à-dire Dieu a mis son esprit dans ton esprit. Means the new birth, that is God put his spirit in your spirit. Tu es né de nouveau. You are born again. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. L'esprit de Dieu habite dans ton esprit. The spirit of God abides in your spirit. Il illumine ton homme intérieur. He enlightens your inner self. Donc la vie, l'esprit de Jésus te redonne la vie, te vivifie. The spirit of Jesus gives you life and enlivens it. Tu es né de nouveau. You are born again. Mais tu es la divinité déposée en toi en miniature. You have the Godhead put in you in miniature. Tu dois grandir. You must grow. La vie de Dieu, the life of God, comme dit Washmani, ne vient pas pour tuer ton moi. As Washmani says, does not come to kill yourself. Elle ne vient pas pour éduquer le moi. It does not come to educate self. Ou pour le transformer. Or transform it. Mais elle vient. But it comes. Pour te permettre de triompher, de vaincre, it de comes, dominer sur. It comes to make you to triumph, to overcome, and to dominate over it. Sur ton moi. Over yourself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, quand on a reçu Jésus, so when we've received Jesus, on a une nouvelle nature en soi-même. You have a new nature in yourself. Qui n'aime pas le monde. Which does not love the world. Qui est en conflit avec ton moi, which is in conflict with yourself. La vie de Dieu, the life of God, contre les désirs de ton moi, against the desires of yourself. Mais Dieu te regarde. But God is watching you. Parce qu'il t'a déjà donné l'intelligence. Because he has already given you the intelligence. Il sait que désormais, he knows that henceforth, tu vas marcher selon la parole qui habite en toi. You will walk according to the word that dwells in you. Il faut beaucoup d'efforts pour étouffer l'esprit de vie et commettre le péché. So much effort is needed to choke the spirit of life and commit sin. Avant, tu commettais le péché, c'était automatique. Before, you used to commit sin in an automatic way. C'est comme si toi-même tu étais péché. It's like you yourself were sin. Maintenant, but now, tu ne veux plus. You no longer want. Le moi te dit lui il veut. Self says he wants. Toi tu lui dis non. But you say no. C'est ça qu'on appelle le renoncement. That is what we call renunciation. Ça doit être pratiqué tous les jours. It must be practiced every single day. C'est avec ça qu'on garde le cœur pur. It is with that we keep the pure heart. Tu triomphes du moi et du monde. You triumph over self and the world. Oui, on peut recevoir un cœur pur. Yes, we can receive a pure heart. Oui, on peut marcher avec un cœur pur. Yes, we can walk with a pure heart. Si on
on obéit à la loi de Dieu. If we obey God's law, au conseil de Dieu, to God's counsel, si on rejette le monde, if we reject the world, sa philosophie, sa sagesse, its philosophy, its wisdom, ses traditions, its traditions, ses passions, its passions, ses joies, its joys, si nous avons nos joies, because we have our joy, nos passions, we have our passions, nos traditions, we have our traditions, notre culture, we have our culture, notre philosophie, our philosophy, c'est-à-dire ce gros livre que nous avons là, si elle est en nous, this big book that we have, it is for us. Alléluia. Alléluia. Nous aurons la victoire sur le monde. We will have victory over the world. Sur les choses qui sont dans le monde. Over the things that are in the world. Nous allons veiller sur nos cœurs. And we'll watch over our hearts. L'apôtre Jean a dit. The apostle John said. Il a regroupé les gens en trois classes. He grouped people into three classes. Il a commencé par les petits enfants. He started by little children. Qu'est-ce qu'il leur dit? What did he say? Il dit, vos péchés vous sont pardonnés. Your sins have been forgiven. Première chose. First thing. Jean. First John. Et il dit, vous avez connu le Père. Says you have known the Father. Jean chapitre 2 verset 15 à 17. First John chapter 2 verse 15 to 17. Jean chapitre 2 verset 15 à 17. First John chapter 2 verse 15 to 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the one who does the will of God lives forever. Amen. Oui, commence au verset 14. Start from verse 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia.
Alléluia. N'aimez point le monde. Do not love the world. Les petits enfants. Little children. Les pères. Fathers. Les jeunes. Young men. Vos péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Vous avez connu le Père. You have known the Father. Vous avez connu le vrai Dieu. You have known the true God. Sa parole demeure en vous. His word abides in you. Vous avez vaincu le monde. You have overcome the world. Ça c'est tout, ça concerne tous les saints. It concerns all the saints. Ce n'est pas que tu seras pardonné. It's not that you will be forgiven. Les péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Toi, tu penses que tu ne connais pas Dieu. Ce n'est même pas bon quand un enfant de Dieu a des doutes. Tu connais Dieu. You may think that you don't know God, but a child of God should not even have doubts. En tout cas, you know moi, God. Moi, je connais Dieu. Say, I love God. Je connais Dieu. I know God. Tu connais Dieu. You know God. Tu fais comme un bébé là. Tu connais Dieu. Making like a baby, you know God. Tout petit. Even those who are very small. Tes péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Tu as le cœur pur. Tu as un cœur pur. You have a pure heart. C'est-à-dire, tu as un nouveau cœur. You have a new heart. Que tu dois garder propre. Which you must keep clean. Si tu n'as jamais reçu Jésus. Never received Jesus. Là, tu dis la vérité. On te donne Jésus maintenant. On te baptise. You tell the truth, and we give you Jesus right away, and we baptize you. Mais si tu as vraiment reçu Jésus, if you have truly received Jesus, tes péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Tu connais Dieu. You know God. Tu as vaincu le diable. You have overcome the devil. Et la parole de Dieu est en toi. And the word of God abides in you. Dieu a écrit la parole sur les tables de ton cœur. Là où tu es assis, la parole est en toi. God has written his word on the tablets of your heart. Where you are seated, his word is in you. Tu peux décider. You can decide. Que si les gens se moquent de toi. That if people mock at you. Cela, c'est pour la gloire de Dieu. It's for the glory of God. Tu ne fais pour toi-même aucun cas de ta vie. You make it of no case. Quand tu fais quelque chose qui est bien, you do something that is good. Tu dis je suis un serviteur inutile. You say I am an unworthy servant. Tu as renoncé au moi. You have denied self. Et tu veilles à ce que le moi reste à la croix, Jésus sur le trône. And you do all such that self stays on the cross and Jesus on the throne. Il y a des gens qui ont fui certains examens. And people who have escaped some exams. Des étudiants, hein, ils disent, si je compose, je vais échouer. Les gens vont se moquer de moi. Donc il ne tente même pas. Il a son diplôme, il est tranquille. They say if I try, I'll fail, and people will laugh at me, so they don't even try. La crainte d'échouer. The fear of failure. Il ne jeûne pas. Il se dit si jeûne, il sait qu'il ne peut pas arriver au bout. Il ne peut pas arriver au bout. They don't fast. They tell themselves if I fast, I'll not get to the end. Il y a des gens ingrats. They are ungrateful people. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été positivement influencés. They don't want people to know that they have been positively influenced. Ils sont calmes, froids. They are quiet, cold, tranquille, calm. C'est le moi. It's self. Le cœur n'est pas pur. The heart is not pure. Là, ce n'est plus les démons. There is no longer demons. C'est le moi. It is self. L'amour propre. Self-love.
Il y a des gens qui sont toujours en compétition. There are people who are always in competition. Salomon a dit que quand tu vois les gens travailler, c'est parce qu'ils sont en compétition avec les autres. Solomon said, when you see people working hard, it is because they are competing with others. Tu vois quelqu'un évangéliser fort, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui l'anime, alors qu'il veut déclasser quelqu'un d'autre. You see someone evangelizing very hard, you think that is the Holy Spirit working through him, but his goal is to outclass another person. C'est le moi. It is self. Là, ce n'est pas un démon, c'est le moi. Toi-même, tu veux être vu. There is not a demon, it is self. You want to be seen. Le moi veut tous les cadeaux. Self wants all the gifts. Si toute l'assemblée te donne des cadeaux, tu es content. Tu dis, hey, Dieu m'aime. Hein? If the entire assembly gives you gifts, Dieu m'aime. You are happy, you say, oh, God loves me. On donne à gauche, on donne à droite. Les petits, vous voyez les petits enfants, tu leur donnes, s'il y a le pain, une tasse de lait, un ballon, il prend tout ça, le lait, tasse, le morceau de pain, les biscuits et sa petite voiture, il a ça, il a tout ça. You see little children, they just want to take everything, a piece of bread, a cup of tea, a ball, a toy, everything, they just want to gather it for themselves. S'il est trop chargé qu'il y a un jouet qui traîne là, son ami veut toucher, il dit non, ne touche pas. If his hands, il a tout ça, lui seul. His hands are so loaded that there is something still left and his friend wants to touch it. He says, no, don't touch it. C'est le moi. That is self. Self. Quand tu grandis, ça ne disparaît pas. Ça reste caché dans une personnalité éclairée. When you grow, it doesn't go away. It is hidden in an enlightened personality. Ça reste caché. It stays there, hidden. Dans la conversion, in conversion, il faut traiter ça. You should work that out. You should treat it. L'apôtre Paul dit, quand il était un enfant, il réfléchissait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. The apostle Paul says when he was a child, he thought like a child, he reasoned like a child. Quand il est devenu grand, when he became old, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. He made everything childish to disappear. C'est là où si tu as déjà un jouet, le deuxième tu donnes à l'autre. That is when you have a toy, the second one you give it to another person. Tu peux donner le pain à l'autre, tu prends les biscuits. You can give bread to another and then you take biscuits. Mais quand le moi n'est pas renversé, tu as tous tes jouets. Même tu ne peux plus manger même parce que tout est occupé. Tu es là devant les amis. When self is still active, you want to take everything for yourself. You cannot even eat because all your hands are occupied. Avec les petites mains chargées. With little hands loaded. Le moi ne pardonne pas. Self does not forgive. Je suis allé chez ma grande sœur. Went to my elder sister's house. Un petit enfant a offensé sa sœur. A little child offended her sister. Sa sœur est venue. The sister came. Elle s'est plainte. And she complained. J'ai appelé l'offenseur. I called the offender. Il demande lui pardon. I asked him to ask for forgiveness. Il a éclaté en sanglots. Il a commencé à pleurer. He started crying. Je n'ai pas tapé. I didn't beat him up. Il demande lui pardon. I just asked him, ask her to forgive. C'était pour lui l'humiliation même. Il pleurait. For him, it was true humiliation. Il demande lui pardon. I said, ask her to forgive you. Il a dit, pardonne-moi. He said, forgive me. L'autre a commencé à sourire. And the other one started smiling.
Le moi, self, on ne l'éduque pas, on ne le transforme pas. You don't educate it. On ne le tue pas. Don't transform it. Educate. C'est l'amour propre, c'est toi-même. It is yourself. Ce que tu peux faire, c'est de l'enlever sur le trône, de placer Jésus. What you have to do is to take it from the throne and enthrone Jesus. Et d'une manière pratique, ça veut dire que c'est ce que Jésus veut que tu fais. Tu ne fais pas ce que toi-même tu veux. And in a practical way, it is what Jesus wants that you do. You don't do what you want to do. Le moi est une partie de la chair. Self is part of the flesh. Parce que la chair est composée de deux éléments, comme dit Watchman. Because the flesh is composed of two elements, as we said. Le péché comme une puissance, comme un principe de mal, et l'amour propre, comme on appelle le moi. Les deux éléments là, c'est ça qu'on appelle la chair. Sin as a power of evil and self-love, what we call self. Il y a des moments où tu entends comme des voix dans ta conscience qui te parlent de faire le mal. Là, c'est la puissance, c'est le péché même qui agit. Sometimes you hear in your conscience a voice that tells you to do evil. That is when the power is at work. C'est comme si tu avais une intuition de tout le bénéfice du mal. It's like you had an intuition of all the benefits of evil. Mais il faut dire à Satan, je suis plus fort que toi. You should tell Satan, I am more powerful than you. Car Jésus m'a sauvé. Because Jesus has saved me. Après tu lui dis, va-t'en au nom de Jésus. And then you tell him, out in the name of Jesus. Tu es délivré. And you are delivered. Praise the Lord. Je suis la sœur Carole Babatunde. I'm sister Carole Babatunde. Je suis la sœur Colette Meunier. Sister Colette Meunier. Je veux rendre témoignage de la puissance de Dieu qui nous délivre à travers sa parole. Anti testify about the power of God you give us. Quand j'avais cru au Seigneur, when I believed the Lord, j'avais 13 ans. I was 13 years old. Mais j'avais eu à voir un film pornographique. J'avais eu à regarder. So I watched pornographic movies before. Et quand j'ai cru, un an plus tard, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. And 1 year later, I believe. Et quand j'ai cru, j'avais pas de problème particulier avec le sexe opposé. When I believe, I do not have some particular problem with the opposite sex. Mais quelque temps après, environ un an après, but some time later, about 1 year later, j'ai commencé à réaliser que mes pensées étaient pourries. I started realizing my thoughts were very dirty. J'avais du mal à me concentrer. It was hardly for me to get concentrated. J'avais du mal à fermer les yeux même pour prier. It was difficult for me to close my eyes and pray. Parce que dès que je fermais les yeux, because when I close my eyes, c'est comme si on avait allumé un écran de télévision. It was as if a screen of television was set before me. Et des scènes immorales passaient devant moi. And the immoral scenes were passing in front of me. En fait, c'était le souvenir du film que j'avais regardé. In fact, it was about the memories of the bad film that I watched in the past. J'ai jugé. I judge. J'ai prié. I prayed. J'ai jeûné. I fast. Pour demander au Seigneur de me délivrer. To ask God to deliver me. Il y avait une parole qui m'effrayait. There was a word that made me afraid. Dans la parole de Dieu, in the word of God, le Seigneur nous disait que nos pensées allaient être exposées. The Lord was saying our thoughts were going to be exposed. Au dernier jour. The last day. Et je craignais ce jour-là. I was afraid of that day. Je me demandais comment est-ce que les frères vont me voir. I was asking myself how brothers are going to see me. Quand ce jour-là, when that day, mes pensées vont défiler dans le ciel. My thoughts will start circulating in heaven. Et puis ils vont dire c'est la sœur Carole qui pensait comme ça. They will say is that sister Carole who I've been thinking like that. J'étais malheureuse. I was not happy. J'avais pas de force. I was not strong. Et j'avais l'habitude de donner le sujet aux frères quand on se retrouvait pour prier. And I used to give the prayer topic to brother when you meet to pray. Que je sois délivré des pensées immorales. I should be delivered from immoral thoughts. Suppliant le Seigneur. Pleading with God. Et les frères priaient avec moi. And brother were praying with me. Les frères priaient avec moi. Brother were praying with me. Quand on se retrouvait au lycée. When we used to meet at the high school. Un jour. One day. J'ai décidé d'en parler à mon faisant des disciples. I decided to share it with my disciple maker. Parce que j'étais devenue malheureuse. Because I became very unhappy. Et quand je lui en ai parlé, and when I spoke to him about that, elle m'a dit une seule chose. She told me only one thing.
Elle dit, va lire la parole de Dieu. Go and read the Bible. Alléluia. Va lire la parole de Dieu. Go and read the word of God. Frère, j'ai pris cette parole. So, brother, I grabbed this word. Je suis allé m'asseoir. I want to sit down. J'étais en seconde. I was in the fifth form. Je suis allé m'asseoir au fond de la classe. I want to sit in the back of the class. J'ai décrété une saison de une croisade en même temps. I decided a crusade at that moment. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. And I started reading the word of God. Quelqu'un qui cherchait agressivement la délivrance. That someone who was looking for delivery aggressively. Des pensées pures. For pure thoughts. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. And I started reading the word of God. Je pouvais lire 60 chapitres. I could read 60 chapters. Le même jour. Only one day. Parce que il fallait que cette chose là s'arrête. Because I wanted these things to stop. Il fallait que ce cauchemar s'arrête. I want this nightmare to stop. Et comme c'était la dernière issue, on avait déjà prié pour moi. Il fallait que ça s'arrête. Since it was the last solution, I'd be prayed for before nothing happened. Et pendant une période, j'ai commencé, je lisais abondamment la parole du Seigneur. During that period, I was reading a lot of the word of God. Et frères. And brothers. Je ne peux pas dire exactement le jour où les choses se sont arrêtées. I cannot say exactly the day thing stopped. Et je veux dire une chose. Plusieurs fois, quand on allait dans les rencontres when you go to the meetings d'évangélisation of evangelization, et quand on lance l'appel, and when you launch the call, j'ai envie de donner encore ma vie à Jésus. I wanted to give my life to Jesus again. Parce que je sais que mes pensées ont, j'ai un problème avec les pensées immorales. Because I know that I have problem with my of evil thoughts. C'était vraiment un problème pour moi. It was a real problem for me. Donc environ une semaine quand j'ai commencé cette croisade personnelle de lecture de la parole when de Dieu. Personal crusade or read the Bible for about 1 week. J'ai commencé à réaliser. I started realizing that. Je pouvais fermer les yeux et prier. I could close my eyes and pray. Les pensées immorales avaient disparu. The immoral thoughts had disappeared. Je pouvais marcher. I could walk. Sans déshabiller un homme devant moi. Without undressing a man. Sans déshabiller une femme. Without undressing a woman. Sans imaginer plein de choses. Without imagining many things. Dès qu'on dit un tel et une telle vont se marier. When I hear that this man and that woman will get married. Je suis entré dans une autre vie. I started a new life. Et c'est là que j'ai expérimenté. This is where I experienced la délivrance. Deliverance. Des pensées immorales. From immoral thoughts. À travers la lecture de la parole de Dieu. Through the reading of the word of God. Et chaque fois, depuis ce temps-là, c'est devenu and pour moi. Since that day, it has become for me. C'est devenu pour moi un butin, un héritage. And that for me, an heritage. Dès que je vois que mes pensées commencent à être bizarres, when I realize my thoughts start being bizarre, le diagnostic est déjà posé. The diagnosis is made already. Ça veut dire que j'ai arrêté de lire la parole de Dieu comme je devais le faire. It means that I stopped reading the Bible as I was doing. Et j'ai laissé la place. Then I've left the place aux pensées immorales. To immoral thoughts. Je veux célébrer la victoire de Jésus ce jour. I want to celebrate the victory of Jesus. Qui m'a donné gave me d'expérimenter the power to experience la pureté. Purity dans les pensées in thoughts, à travers sa parole through his word. Amen. Amen. Je suis le frère Nathanael Babatunde. I'm brother Nathanael Babatunde. Je voudrais célébrer la victoire du Seigneur. I want to celebrate the victory of the Lord. Dans la lutte in my fight contre l'orgueil against pride. J'avais toujours pensé que le point fort, le péché fondamental dans notre famille, well, I thought that the fundamental sin in our family, j'avais pensé que c'était l'immoralité. I thought it was immorality. Parce que mon père était polygame. Because my father was a polygam. Et que j'étais rempli de pensées immorales dans le monde. That I was filled of immoral thoughts in the world. Mais quand j'ai cru, but when I believed, très rapidement le Seigneur m'a délivré des pensées immorales. Quickly, the Lord delivered me from immoral thoughts. Mais il y avait un problème fondamental. But I had a fundamental problem. C'est que j'étais rempli du désir. I filled with desire. De rechercher la vaine gloire dans tout ce que je faisais. I'm looking for vain glory to all that I was looking for. Le désir d'être félicité. Le désir d'être congratulé. Le désir d'être apprécié. Or being appreciated. Le désir qu'on prenne soin de moi. Le désir of being taken care of. Le désir qu'on me récompense.
the desire of being rewarded. Un jour, je me rappelle. One day, I remember. Je rentrais à la maison. J'étais étudiant. I was going home. I was a student. Ça devait être en 2002. It might be in 2002. Et je venais de connaître le ministère. And I've just known the ministry at that time. Je rendais visite aux frères avec tout mon être. I was visiting brother with all my being. Il y avait le moment où je sortais à la maison à 6h du matin. At some moment I literally used to leave my house at 6 a.m. Et je rentrais autour de 23h. And I came back around 11. J'allais de maison en maison pour visiter les frères. I was going from houses to houses to visit brothers. Et je rentrais quand une pensée m'a traversé. And I was going when a thought came to my mind. La pensée, the thought, m'a dit ceci. Told me this. Nathanael. Tu passes tout ton temps à grande visite à tes frères. Tu passes ici. Tu es fatigué, mais tu continues. You spend your time to visiting brothers. You go here, you go here. You are tired. Et puis, then, chaque fois que tu reçois des appels, anytime you receive a call, c'est pour que un frère t'expose son problème. It's for a brother to expose the problem to you. T'as dit? Je réalisais ce jour-là, I was realizing that day that, que tout le service que je faisais, that all the service, il y avait le désir d'avoir un retour. There was the desire to receive a reward. Mais ce jour, Dieu a eu pitié de moi. But that day, God had pity on me. Il m'a donné une parole. He gave me a word. J'ai dit à la pensée, j'ai cru en Jésus. I thought, I believe in Jesus. Non pour recevoir des frères. Not to receive from brothers. Mais j'ai cru en Jésus. But I believe in Jesus. Pour venir donner ma vie. To come and give my life. Pour les frères. For brothers. Et la pensée m'a quitté. And the thought disappeared. Donc quand nous sommes mariés, so when you get married, l'orgueil a repris ça, le trône de mon cœur. Pride took back the throne of my heart. Et c'était sérieux. It was serious. Je pensais que les efforts que j'avais faits m'avaient rendu humble. I believe that the effort that I made made me humble. Un jour, one day, nous étions à une réunion des anciens. We had a meeting of elders. Et on était en train de nous préparer pour être anciens. We are getting prepared to be elders, to be ordained elders. Chacun apportait des paroles pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de telle personne qui doit être le futur ancien. Celui-ci, il est orgueilleux, il doit travailler sur l'humilité. Celui-ci, sa femme doit faire telle chose. En fait, ils étaient en train de nous critiquer, mais positivement. So headers were to criticize us positively. Et puis un frère a dit, then a brother said, le frère Nathanael, brother Nathanael, je l'aime beaucoup. I love him much. Parce que c'est un frère très humble. Because he's a very humble brother. Vous voyez, ça fait rire. So it makes you laugh. Donc, quand je suis parti de là, frère, when I went from there, brothers, j'étais convaincu que j'avais fait du progrès dans le fait de se dépouiller pour devenir humble. I was convinced that I had progressed in the fact of getting rid of myself to become humble. Mais le fait même d'être conscient que j'ai fait ça, c'est même la preuve. Is a proof that que je n'ai même encore rien fait. That I have not done anything. Et donc, so, dans ma tête, so in my mind, j'avais fait du progrès. I'd made progress. Mais quand cette princesse est entrée dans ma vie, and when that princess came to my life, je peux dire que I can say that les plus grandes œuvres du Seigneur, the greater work of the Lord, dans ma vie, in my life, pour m'apprendre à m'abaisser, to teach me to become humble, pour apprendre la vraie humilité, to teach me true humility, c'est au contact de cette merveille. It's in contact with that marvelous lady.
Donc j'ai découvert que quand nous sommes mariés, so what I discovered when we get married, j'étais attaché à mon droit de chef de famille. I was bound to my title as the head of the family. J'étais attaché à mon droit d'aîné parce que je suis plus âgé qu'elle. I was tied to my right of elderness because I'm older than her. De 6 ans. For 6 years. Donc un jour, nous ne nous sommes pas entendus. So one day, you do not get understood ourselves. Et je lui ai rappelé, j'ai dit, je suis quand même ton grand frère de 6 ans. I told her, even I'm your brother for 6 years. I'm older than you for 6 years. C'est là que j'ai découvert que. Is it when I discovered that? En fait. In fact. Le moi est assis sur le trône de mon cœur. Self was seated on the throne of my heart. Il arrivait des moments où, quand son taillon se couche, elle regarde le mur de l'autre côté, moi aussi je regarde de l'autre côté, et c'est non son dos qui se regarde. That's a moment that when we slept. She turned her face on the left, I also turned my face on the right, and now we are back, who watched themselves. Et puis j'avais découvert que j'étais devenu coléreux. And I discovered that I became somebody who gets annoyed quickly. J'étais devenu impulsif. I was impulsive. Dieu m'a préservé de porter la main sur elle. God preserved me from laying my hand upon Mais quand her. Je m'irritais, but when I was fighting with that, les paroles qui sortaient de ma bouche, the word that used to come from my mouth, c'était violent. Were violent. Et elle passait tout son temps seulement à pleurer. And she used to cry at that time. Si elle avait fait comme moi il y a longtemps, on serait déjà venu sur le pasteur Meunier pour dire on veut divorcer. If you had done with me, you would have come to Pastor Meunier since to be divorced. Mais un jour, Dieu a eu pitié de moi. But one day, God had pity on me. Tout ça s'est passé pendant la première année de mariage. All this happened during the first year of marriage. Je venais de finir de me quereller avec elle. I started finishing quarreling myself with her. J'étais fâché. I was annoyed. Je savais pas comment demander pardon à son épouse à l'époque. I didn't know how to ask for forgiveness to his spouse at J'étais that time. Convaincu que j'avais raison. I was convinced I was chef de la famille. I'm the head of the family. Le nez de la maison. The head of the house. Et on s'est séparés, elle est sortie. And we separated, she crois, left. Elle était allée à une réunion. She went to a meeting. Elle devait passer la nuit là-bas. And she was to spend the whole year over there. The whole night over there. Mais quand elle est sortie, but when she went, j'ai senti que dans mon homme intérieur, that in my inner self, que Dieu voulait m'instruire. That God wanted to instruct me. Je sentais la présence de Dieu qui m'attirait vers lui. Dieu m'a tiré vers lui. I felt the presence of God drawing me near him. Et les pensées ont commencé à se défiler dans mon esprit. And I started having ideas in my mind. Je me suis mis à genoux. I knelt down. Et j'ai commencé à méditer sur And I started meditating notre foyer. On our wedlock. Et Dieu a ouvert mon esprit. And God opened my spirit. Et il m'a dit ceci. And he told me this. Je crois que c'est l'un des jours où Dieu a ouvert de façon particulière mes yeux sur l'orgueil de mon cœur. I think that one of the day that God opened my heart particularly to see that I'm proud. Imagine Nathanael. He told me Nathanael. Dans le foyer, in the wedlock, il ne s'agit pas d'apporter ton règne. There's no need to bring your reign. Il ne s'agit pas d'apporter ton royaume. Not to bring your kingdom. Le foyer n'est pas fait pour apporter le royaume de Nathanaël. The wedlock is not made to bring the kingdom of Nathanaël. Il dit le foyer est fait pour apporter mon règne. The wedlock is made to bring my kingdom. Et dit que mon règne, he said my reign, on l'apporte, is brought dans le foyer, in the wedlock, en dépassant son épouse, by leaving the spouse, dans le fait de mourir à soi-même. My father dying to self.
Il dit, mon règne. He said, my reign passe par le chemin. Passes by the way du renoncement de toi-même. Of self-denying. À tous tes droits. To all your rights. À tes goûts. All your tastes. À ton âge. Your age. À ton titre de chef de famille. To your title as a head of family. Et il a continué à m'instruire. He continued to instruct me. Sa lumière ce jour-là avait lui dans mon cœur. His light came to my heart that day. J'avais vu pour la première fois de façon claire. I could see for the first time in a clear way. Combien de fois j'étais orgueilleux. How much I was proud. Combien de fois j'étais violent dans mes paroles. How much I was violent in my words. Et combien de fois j'avais fait du mal à mon épouse. How much I did bad things to my spouse. Sa lumière m'avait brisé. I was broken. Et j'ai commencé à pleurer seul dans ma chambre. And I started crying, chambre. Weeping in my room. J'ai commencé à pleurer, à pleurer. I started weeping, weeping. Je me suis repenti. I repented. La lumière de Dieu avait lu dans mon cœur. The light of God came to my heart, Et le désir de m'abaisser devant elle pour me repentir avait envahi tout mon être. And the desire of humble myself before her and repent. Come to my heart. Je soupirais qu'elle rentre le plus rapidement possible. I was longing for her to come quickly. Malheureusement, ce jour, unfortunately, that day, elle était allée à la veillée. She went for a whole night. La nuit est devenue longue pour moi. The night was very long for me. Et le lendemain, then the following day, j'ai entendu quelqu'un cogner au portail. I heard somebody knocking at the gate. Je me suis dit que c'était elle. I said certainly it was her. Je me suis approché promptement du portail. I probably went to the gate. Non, de la porte. To the door. Et dès qu'elle a ouvert la porte, now, as soon as she opened the door, j'étais déjà à genoux. I was already down. Jésus-Christ. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. I started crying as a child. Et je dis à mon épouse. I told my spouse. Je dis à mon épouse. I told my spouse. Je suis un homme orgueilleux. I was a proud man. Violent. And violent. Que c'est moi qui suis responsable de toutes les difficultés qu'on a eues dans le foyer. That I'm responsible of all the difficulties that we had in the wedlock. Je lui ai dit que Dieu m'avait visité. I told her that I was visited by God. Et qu'il avait ouvert mes yeux. That he opened my eyes. Je lui ai demandé pardon. I asked her to forgive me. Et je lui ai dit de me donner une seconde chance. And I asked her to give me a second chance. Et elle m'a pardonné. And she forgave me. Elle m'a restauré. And she restored me. Et c'est depuis ce jour. Since that day, que j'ai appris, that I've learned, et je continue d'apprendre, that I'm continuing learning, comment renoncer à moi-même, how to renounce to myself, et mon épouse et moi, and my spouse and me, nous avons grandi, and I've grown up, dans le fait de renoncer à nous-mêmes, in the fact of denying to ourselves. Et notre amour a grandi quand nous avons commencé à renoncer à nous-mêmes. And our love for each other grew up when we started. On a commencé à nous aimer de façon extraordinaire. We started loving each other in an extraordinary way. Nos émotions pour l'un et l'autre étaient avalées par le moi. Our emotions were swallowed by self. Mais quand nous avons commencé à renoncer. But when we started renouncing. De fois, je lui ai dit, est-ce qu'on convoite son épouse? One day I said that, can someone covet his spouse? Je regarde mon épouse comme c'est une autre femme.
I look at my wife as if she's a new person. Et puis je me mets à adorer le Seigneur. And I start to worship God. J'adore. And I worship God. I worship God. Je voudrais dire merci au Seigneur. I want to thank Lord pour m'avoir ouvert la porte du mariage. For opening the way to marriage to me. En fait, je ne voulais pas me marier. In fact, I did not want to get married. Vous voyez, je n'aurais jamais connu qui j'étais en réalité. In fact, I couldn't have known who Parce I was before. En ce qui me concerne, because as far as I'm concerned, Dieu avait besoin du mariage. God needed marriage pour me montrer réellement qui j'étais. To show me really who I was. Pour que je me découvre tel qu'il me voit. And for him to discover myself et pour m'apprendre à affiner ma ressemblance au Seigneur. And to let me to learn how to become likeness to God. Je veux dire merci au Seigneur. I want to thank God pour le choix de Carole comme épouse. For the choice of Carole as spouse. Je veux dire merci au Seigneur I thank Lord pour le jour où il a ouvert mes yeux for the day he opened my eyes et pour l'œuvre qu'il a continué d'accomplir and for the work that he has continued dans mon to cœur accomplish my heart et dans le cœur de mon épouse and the heart of my spouse pour que nous grandissions for us to grow up dans le fait de renoncer à nous-mêmes in the fact of renouncing to ourselves et que nous grandissions dans l'amitié and you grow up in friendship. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. God. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour le triomphe de l'Évangile. Jesus, the victory of Jesus. Jésus-Christ. Jesus Christ. Si tu veux prier, lève-toi, tu pries. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin que nous voyons la laideur du moi. Je prie que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, afin que nous voyons que notre expérience spirituelle aura à souffrir si nous ne livrons pas notre moi à la mort, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent afin que nous voyons, Seigneur, que si le diable n'arrive pas à nous faire commettre le péché, il va venir dans la seconde étape qui est le moi. Seigneur, je prie que les écailles de nos yeux s'ouvrent. Je prie que la puissance du Saint-Esprit visite le cœur. Je prie que nos yeux s'ouvrent afin que nous voyons, Seigneur. Que si les foyers sont livrés aux disputes, aux querelles, aux divorces, Seigneur, à la mésentente, Seigneur, c'est à cause du moi. Seigneur, je plaide, Seigneur éternel, pour une grande délivrance, pour une visitation, Seigneur éternel. Je prie, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous voyons, Seigneur, que les serviteurs, selon l'éternel, selon ton cœur, ont eu les moyens livrés à la mort. Ton fils Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc nous devons voir que c'est une étape vitale, fondamentale et capitale pour entrer dans la spiritualité. Donc nous devons voir que c'est une étape vitale, fondamentale pour être conduit à la plénitude du Saint-Esprit. Oh Père Céleste, je plaide éternel que tu nous ouvres nos yeux afin que nous voyons, Seigneur, que si le moi n'est pas livré à la mort, nous aurons une vie chrétienne misérable. Une vie chrétienne entachée de péchés, de critiques, de haine, de murmures. Une vie chrétienne qui ne te glorifie pas, Seigneur. Seigneur, je plaide que tu visites chacun de nous. Que nous rentrons ce soir à la maison avec un moi livré à la mort. Seigneur, les foyers sont misérables. En tant que chrétien, ta gloire n'est pas ressentie dans les foyers parce que le moi est sur le trône. Merci pour la délivrance que tu accordes ce soir. À toi l'honneur et à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Alléluia. 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 Lis encore pour nous Jérémie 10, verset 23. Read for us again Jeremiah chapter 10, verse 23.
Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Jeremiah 10:23. I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Amen. Lis Psaume 32, versets 7 et 8. Read Psalm 32, verse 7 and 8. Psaume 32, versets 7 et 8. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de vérités. There's so many truths. Mais il faut partir de la vérité centrale pour élargir le champ de compréhension. But we must leave from the fundamental truth to be able to enlarge the base of understanding. Pour combattre victorieusement, to fight victoriously, tu dois savoir que Dieu donne le cœur nouveau. C'est une promesse. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. You should know that God gives a new heart. He says in Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27, I will give you a new heart. Dès que le pécheur se soumet, as soon as the sinner submits, dès que le pécheur reconnaît ses péchés, as soon as the sinner acknowledges his sin, Dieu pardonne ses péchés. God forgives his sins. Il enlève le cœur de pierre. And he takes away the heart of stone. Il jette dans le néant. And he throws it into naught. Il lui donne un nouveau cœur sensible. He gives him a new heart, a heart that is sensitive. Qu'on peut diriger. Which we can lead. Un cœur qui peut entendre sa voix. A heart that can hear his voice. Un cœur qui voit. A heart that sees. Un cœur illuminé. A heart that is enlightened. Un cœur qui garde la parole de Dieu. A heart that keeps the word of God. Et puis, and then, Dieu lui donne le Saint-Esprit. God gives him the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu habite en lui. The Holy Spirit lives in us. C'est déjà un petit Dieu, il est bébé, mais il est Dieu. C'est un enfant de Dieu. He is very small, a baby, but he's God. He's a child of God. L'apôtre Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. The apostle Peter said, à la vie et à la piété. The apostle Peter said, his divine power has given us all that we need for life and godliness. Donc, même si tu viens de donner la vie à Jésus, so tu as déjà toute la divinité en toi, mais c'est en miniature. So even if you just gave your life to Jesus, you have the whole Godhead in you, but it's in miniature. Tu dois travailler. You must work. Pour que ton homme intérieur se développe. So that your inner man should develop itself. Ce travail consiste à quoi? What does this work consist of? One. Tu viens au point du départ. C'est comme si tu viens de naître. You come at the point of departure. That is, it's just like you have just been born. Dieu a oublié tes erreurs du passé et tes fautes. God has forgotten your errors and faults of the past. Il te dit. And he tells you. Dans mes desseins. In my purposes. Je n'avais pas prévu que l'homme se lève le matin, il s'en va seulement se promener, il va où il veut, il va où il veut. L'homme ne doit pas diriger ses pas. I did not plan that man would just get up one morning and start walking around as he wants. I did not plan that man should
lead his way. Ce n'est pas à l'homme que quand il marche, il dirige. Parce que Dieu qui doit le conduire. It is not for man to walk and lead his way. It is God who must lead him. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu vas suivre. He says, I will teach you and I will show you the way that you must follow. Mais ne sois pas têtu. But comme un cheval, comme un âne. But don't be heady like an ass. Sois soumis. Be submissive. Sois obéissant. Be obedient. Donc, dès que Dieu te donne un cœur nouveau, so as soon as God gives you a new heart, il te donne le Saint-Esprit. He gives you the Holy Spirit. Première chose, first thing, ne laisse l'indépendance. Leave independence. Soumets-toi à moi. Submit yourself to me. Et marche dans mes voies. And walk in my ways. La deuxième chose, the second thing, tu commences à lire sa parole. You start reading his word. Parce qu'il t'a promis qu'il va t'instruire. Because he promised you that he would instruct you. Et la principale voie, c'est la lecture de sa parole. And the major way is the reading of his word. La deuxième voie, c'est les enseignements dans sa maison. The second way is the teaching in his house. Après, il y a le conseil qui fait partie du ministère pastoral. Then after that, there is counsel that is part of pastoral ministry. Quand il y a des bons conseillers, when there are good counselors, il y a la sagesse de Dieu. Wisdom, there's the wisdom of God. Il y a des gens qui ont raté les grands projets parce que ils n'ont pas eu de conseiller. Ils ont fait tout seul et ils sont tombés. There are people who missed out on great projects because they didn't have counselors. They did it all alone and they failed. Deux valent mieux qu'un seul. Two are better than one. Il y a des projets. Écoute les amis, écoute les gens. There are projects in which you must listen to friends and listen to others. Lis la parole de Dieu. Read the word of God. Pourquoi? Parce que tu veux connaître les voies de Dieu. Why? Because you want to know the ways of God. La volonté de Dieu. The will of God. Elle se révèle dans sa parole. It is revealed in his word. Et puis, Dieu te dit, sois obéissant. And then God tells you, be obedient. Sois soumis. Be submissive. Et il te dit, ne crains pas. Crois en moi. C'est-à-dire la foi. And he tells you, do not be afraid. Believe in me. That is faith. Tu veux sortir. Il te dit, non, laisse, tu vas faire ça demain. You want to go out. He tells you, no. Tu dis, non, stop. Tu es pressé. Il te dit, couche-toi. Dors. Demain, ça va marcher. You want to go out, you say, no, I'm in the haste, I want to go out, he says, no. Sleep, tomorrow, tu couches, tu sleep, dors bien, rest well, tu te réveilles, get up, tu lis la Bible, tu médites, read the Bible and tu meditate, te lèves, you get up, tu réussis ce que tu voulais faire hier, sans difficulté. And you succeed in what you wanted to do yesterday, without any difficulty. L'autre dit, non, non, non. Il se précipite. The other one says no and he hurries. Dieu le laisse. God leaves him alone. Et puis il est perdu, il est embrouillé. And then he goes, he's lost and confused. Après 5 ans. And after 5 years. Il revient au point du départ. He comes back to the departure point. Chercher le conseil qu'il avait refusé. And to seek the advice that he had rejected. Il faut la foi. You need faith. Pour marcher. To walk. Pour affronter les difficultés. To face difficulties. Sans crainte. Without fear. Il faut l'obéissance. You need obedience. Pour te garder soumis à Dieu. To keep you submitted to God. Pour être dirigé. To be led. Et là, tu protèges ton cœur. And there you are protecting your heart. Quand tu es tenté. When you are tempted. Tu écoutes bien ce que le tentateur dit. You listen.
Et tu écoutes ce que le tentateur dit. And you listen to what the tempter is saying. Et tu le condamnes. And you condemn him. Et tu continues. I continue. Quelqu'un a prié. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du moi. Quelqu'un disait la mort, le moi, tout ça. Non, le moi ne meurt pas. Somebody prayed and said, oh, let the self die. No, self doesn't die. Il y a beaucoup d'écrits sur le moi. Ceux qui ont vraiment connu la doctrine sur le moi et qui ont expérimenté ça savent que le moi ne meurt pas. On renonce au moi. There are so many writings on self, but those who have experienced self and know it know that self is not killed. You die to self. On le soumet à Christ. You submit it to Christ. Il parle. On dit tais-toi. Tu n'auras rien. He speaks and you say, shut up. You would have nothing. Pour ceux qui sont dans le jeûne, for those who are in the fast, il te laisse tranquille. Just stay quiet. Le matin, il dit non, vas-y, petit déjeuner. Aujourd'hui, tu as trop souffert. Rends ça maintenant, c'est trop. The tempter says, no, breakfast, take it, you have suffered so much. Tu dis non, je continue. He says, no, I continue. Après, c'était. Il s'était. After that, he keeps quiet. Même 39e jour, il dit, tu vas mourir, tu es laissé tes enfants seuls. Rompe ça maintenant. Even on the 39th day, he says, you will die and leave your children alone. Break it now. Tu lui dis, mais reste un jour, dit, rompe ça maintenant. You tell him, no, only one day is left. He says, no. Tu dis, non, je veux persévérer. I tell him, I'm going to persevere. Tu arrives au 40e jour, il s'en va ailleurs. And you get to the 40th day, and he goes somewhere else. Le moi, self, c'est l'amour propre. It's self-love. Le moi, self, n'aime pas la souffrance. Does not like suffering. Le diable a dit à Dieu. The devil told God, Satan a dit à Dieu. Satan told God, tu dis que Job là te craint, qu'il est juste. You say Job loves you and that he is righteous. Touche un peu sa santé. Just touch his health a little. Il dit à Dieu, les hommes que tu vois là, tout ce qu'ils ont, ils peuvent donner ça pour leur vie. He told God, these men that you see, they can give everything that they have for their lives. Et il disait la vérité, ça c'est le moi. And he was saying the truth, that is self. Vous verrez que les sorciers, quand ça chauffe là, ils appellent les gens et disent, je veux confesser. J'ai mangé telle personne, j'ai mangé. Quand ça chauffe là, il veut vivre. Le sorcier veut vivre. You see, witches, when it's hot, they call people and they say they want to confess. I've eaten this one, I've eaten that. Because they want to live. Le moi peut faire que quelqu'un pose des actes vertueux. Le moi. Self can make someone to carry out virtuous acts. Tu es gentil, on te félicite, tu es content. Ce n'est pas la vertu, le moi est en bas. You are nice and they congratulate you and you are happy. It is not virtue. Self is beyond, is beneath it. Lis pour nous Ecclésiastes. Read for us Ecclesiastes. Lis le chapitre 4, verset 4. Chapter 4, verse 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie. Every labor and every achievement is vanity. Tu vois quelqu'un concentré, il travaille dur, on le félicite, mais c'est le moi. You see someone working very hard and is congratulated, it's just self. Il y avait des sœurs jumelles au Cameroun. There were some twin sisters in Cameroon. Elles entretenaient une rivalité inexplicable. They had an unexplainable rivalry. Dans les études, celle-ci cherche ici, l'autre cherche là-bas.
Les studies, this one was sick here, the other one was sick there. Les deux sont devenus des docteurs. Both of them became medical doctors. C'était pas jumelles, hein? Ah, on dit que c'était même pas des jumelles, c'était grande sœur et petite sœur. They were not even twins. It was an elder sister and a younger sister. Une est devenue docteur en médecine, l'autre avait un autre doctorat là. One became a medical doctor and the other one became a doctor in another field. Une nous a dit, one of them told us, elle a sapé. That she dressed well. Une robe qui lui a coûté 300 000 francs. Qui lui avait coûté 300 000 francs. A gown that cost her 300 000 francs. Il y avait une cérémonie. There was a ceremony. Elle était sûre que elle avait cassé, qu'elle était la seule. And she was sure that she was the only one. Donc elle s'en va, cac, cac, cac. She went, cac, cac, cac. Elle était à la porte. She was at the door. Elle voit une dame qui a la même chose. And she saw a lady with the same thing. Elle est rentrée. She went back home. Enlevez ça. And took it off. Ça c'est le moi. That is self. Elle est rentrée, enlevée, mettre quelque chose d'autre et revenir. She went home, took off that dress and put on something else and came back. Si tu comprends ces choses, if you understand these things, tu sauras combattre le moi. You know how to fight against self. Tu sauras protéger ton cœur. You know how to protect your heart. Quand on a chassé tous les péchés, when every sin has been chased out, et qu'on a chassé les démons, and demons have been casted out, on a brisé les liens, and ties have been broken, on a renversé les principautés, and principalities have been overthrown, il reste un. There's one thing that is left. Le moi. Self. C'est-à-dire toi-même. That is yourself. Avec tes désirs, tes ambitions, tes calculs, tes peurs. With your desires, joies, your ambitions, your calculations, your fears, your joys. Tes angoisses. Your anguishes. Tu peux te coucher, tu dis le lion est dehors, il y a les dangers, je ne sors pas aujourd'hui. C'est le moi. You can lie down and say, oh, the lion is outside, I'm not going out today. It is self. Tu veux vivre longtemps sur la terre. You want to live long on the earth. Le lion est dehors. So the lion is outside. Pas de risque, rien. No risk, nothing. Tu fais comme l'escargot, tu sors une tentacule là, il vérifie s'il n'y a pas de danger. Et puis il rentre dedans. You behave like a snail, it takes out one of his horns and then looks. If there's no danger, he comes out. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Mais ne sois pas comme un cheval. I will instruct you and I will show you the law, but do not be like the horse. Ou comme un mulet. On doit attacher leur bouche, sinon ils vont te mordre. Which we must always put a bridle or else it will bite you. David disait qu'il faut remplir son cœur de la parole pour garder la vie de Dieu. Il faut remplir ton cœur de la parole. David says we must fill our hearts with the word to be able to keep our hearts. Et puis il faut méditer sur les choses qui sont bien. And we must meditate on things that are good. S'il y a un conflit entre toi et quelqu'un d'autre, if there is a conflict between you and someone else, il faut méditer sur comment tu vas arranger les choses. You should meditate on how you would put things in order. You. C'est toi qui dois planifier la réconciliation. You are the one to plan reconciliation. Le frère Arnaud disait qu'il y a une jeune fille
qui n'avait pas où dormir. Razak told us that there was a young girl who didn't have where to sleep. Et une sœur l'avait hébergée. And a sister housed her. Un jour, one day, et la sœur qu'il avait reçue chez elle n'avait qu'un petit lit d'une place, et les deux se serraient dessus. And the sister who received her had a little bed that could take only one person, and two of them used to sleep on that bed. Un jour, celle qu'on était en train d'aider a dit, quand j'aurai ma chambre, je veux me coucher, je lance un pied comme ça, je lance l'autre comme ça, je dors. And the one who was being helped said, when I have my own room, I will sleep on my bed and put one leg here and put the other one there and sleep. Et le frère Jacques disait, but as I said, si celle qui l'avait hébergée prenait la décision de vivre comme ça, elle allait faire comment? But as I said, if the one who had helped her took the decision to live that way, where would she have slept? Si elle avait lancé un pied de ce côté, l'autre de l'autre, et puis s'endormir, elle allait dormir où? If she had put one leg here and put the other one there and slept, where would she have slept? Nous sommes allés au Togo. Went to Togo? Il y avait une convention là-bas. There was a convention there. La délégation était vraiment importante. The delegation was a big one. Il y avait un matelas. Dès que nous sommes entrés, une sœur a couru, tombé dessus, ça c'est pour moi. There was a mattress there. And as soon as we arrived, the sister just ran and slept on it and said, this is for me. Elle ne se demande même pas qui a déposé ce matelas ici. She didn't even ask herself who had placed that mattress there. Parce que c'était dans le camp. Because it was there in the camp. On n'a même pas encore donné l'eau ni demandé de nouvelles. Elle est déjà sur le matelas de quelqu'un d'autre. We are not even giving water or asked to give the information, but she just saw a mattress and said that is for her. Le moi ne voit que lui-même. Self only sees oneself. Qui veut boire ça, donnez-moi. Who wants to drink it, give it to me. Qui veut manger ça, donnez-moi. Who wants to eat this, give me. Qui a besoin d'un peu d'aide, c'est moi. Who wants this? Give it to me. Il y a une place dans telle voiture, c'est moi. There is space in that vehicle. I. Le moi est dangereux. Self is dangerous. Il veut la place de Dieu. Il vit, il est sur le trône. What's the place of God? Is on the throne. C'est quand Jésus arrive qu'on le renverse. It's when Jesus comes in that is overthrown. Et quand on n'est même pas fort, on ne peut pas le renverser. And when we are not strong, we cannot overthrow self. Donc beaucoup commencent. Many start. Et dans la lutte entre eux-mêmes et leur propre moi, ils tombent là. And in the fight between them and their self, they fall into the fall. Ils disent que c'est plus fort que moi. And they say it's stronger than me. Je vais me reposer un peu. I want to rest a little. Certains vont à la mosquée. Some go to the mosque. Là où c'est facile. Where it is easy. Ou bien ils achètent plusieurs chapelets. Or they buy many rosaries. J'avais un petit jardin. I had a little garden. Quand nous étions à Bétoua. When we were in Bétoua. Il y avait dessus beaucoup de choses, les carottes, les persils, il y avait beaucoup de choses. I planted many sorts of vegetables, carrots. Après le culte, j'ai demandé au sœur, j'ai dit, sœur, allez vous servir. One day after the service, I asked the sisters, go and serve yourselves, go and harvest. Des mamans. Mothers. Ils ont jeté les sacs. Threw away their bags. Sont entrés dans ce petit jardin. They went into that little garden. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. This is for me, this is for me, this is for me. Après, j'ai senti que l'esprit était descendu. I felt that the spirit had come down. Après, ils se sont calmés. After that, all of them calmed down. Une a dit, bon, mettons ensemble et partageons. And then they said, oh, let's put it together and then let's Mais share. Mais le moi avait déjà travaillé beaucoup. But self had already worked so much. Des mamans, pas des jeunes filles, des mamans. I'm talking about mothers, not young girls. L'image est restée dans ma tête. That image has stayed in my mind.
Les mamans pouvaient même s'asseoir et envoyer la plus jeune que, pardon, récolte tout ça pour nous, tu viens avec. Those mothers could have stayed there and sent the youngest one say, go and harvest it and bring it to us. Mais l'instinct primaire, c'était que je dois en avoir assez. But their primary instinct was, I must have enough. Je n'ai même pas vérifié. Peut-être que celle qui avait suggéré là avait tout raté. Mais je ne peux pas vérifier ça maintenant. Parce que quand tu rates là, tu calcules en même temps. Tu trouves une formule pour entrer dans le jeu. But I did not verify. Maybe it's the one who did not have much who said that they should calm down. But I don't have the opportunity to verify now. Tu dois haïr le moi. You must hate self. Tu dois haïr le moi. You must hate self. Dans l'épître aux Romains. In the worst of cases, il faut haïr le principe du péché. You should hate the principle of sin. Et le condamner. And condemn it. Là, there, la sagesse peut commencer à entrer en toi. Wisdom can start getting into you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Cette nuit, tonight, tu peux appeler ton mari. You can call your husband. Tu lui dis, causons un peu. And tell him, let's discuss. Tu peux appeler ton épouse. You can call your wife. Tu laisses le moi. You leave self aside. Tu causes avec elle, comme Nathaniel l'a fait. And you discuss with her as Nathaniel did. Et tu seras heureux. And you will be happy. Parce que c'est une souffrance inutile. Because it is useless suffering. Quand on vit sous le moi. Because sous la tyrannie du moi. When you live under the tyranny of self. Tu souffres. You suffer. Je me souviens un jour je pouvais mourir. I remember one day I almost died. À cause du moi. I could have died because of self. J'étais encore païen. I was still a pagan. Mon tuteur était vraiment pauvre. My tutor was very poor. Et j'avais une camarade. Son tuteur était très riche. And I had un responsable dans la fonction publique. And I had a classmate whose benefactor was very rich. He was an official in the public service. Mais ces gens me prenaient au sérieux, je ne sais pas pourquoi. But these people used to take me seriously. I didn't know. J'arrive un jour. I got in one day. Un petit sort, il dit, amène-moi au cinéma. And someone, a little guy, came out and said, take me to the cinema. Je lui ai dit que, ok, tu m'attends, j'arrive. Alors que je n'ai rien, même rien. I said, ok, just wait for me, I'm coming. Whereas I had nothing. Je ne veux pas que cette fille découvre que ce garçon n'a rien. I didn't want this girl to realize that this boy has nothing. Donc le petit avait sapé, il attendait le frère Boniface. Non, je ne m'appelais pas frère Boniface. Il attendait Rigula. He was well dressed and waiting for regular. C'est arrivé à la maison. Je médite que j'aurai l'argent où pour aller au cinéma avec ce petit. And it was when I got to the house and I started thinking that where would I get money to go to the cinema with him? J'ai pris les disques, on appelait ça les 33 tours de mon tuteur. J'ai dit bon, il faut que je vende ça. I took the disc of my benefactor and said, let me sell it. Les clients étaient rares. But customers were rare. Les preneurs étaient, n'existaient même pas. Those who could have bought it did not even exist. Après, afterwards, je me suis dit, comme je vais demander l'argent à quelqu'un. I told myself that I'll ask money from someone. Rapidement, rapidement. Là, c'était la dernière minute.
at the last minute. Je ne sais pas combien quelqu'un m'a donné là. Mais ce qu'on m'a donné me permettait de payer son billet. I didn't know how much, I don't remember how much it was, but what I was given was just enough to pay for her ticket. Il y avait un reste. And something remained. Il y avait les motos pour ceux qui sont à Bertrand. Vous voyez qu'il y a beaucoup de motos là-bas. À l'époque, il y avait des motos. At that time, there were motorbikes. Des mobilettes. C'était pas des motos comme maintenant. C'était des mobilettes. Yeah, they were little bikes. So j'ai pris une. I took one. J'ai accéléré. And then I went in high speed. Il fallait jouer pour que je ne paye pas beaucoup d'argent, il fallait filer. So I needed to run so that. C'est là où je pouvais tomber et mourir. C'est, j'ai accéléré à fond. I went on very high speed. Je suis arrivé. I went. Il dit, tu es prêt, monte. I said, are you ready? Get on. Allez, on est reparti. J'ai gagné les points déjà là-bas. Je pars, j'arrive devant la salle. Je dis que, tiens, entre. Il dit, non, allons. Je dis, non, vas-y. So I took her, and when we got in front of the cinema hall. Après, je reviens maintenant de déposer la moto. J'ai payé, si c'était 100 francs, combien là? C'est fini. So I took her in front of the hall. Le souvenir de la vitesse est resté dans ma tête que si tu mourais là. So when we got there, I said, enter, take and enter. She said, no, going with me. I said, no. So I took the bike, and I went back in high speed. And the money was just enough to pay. And when I think about it, and si, I think about the speed, I said, if I died. Si le petit m'avait posé le problème à deux, j'allais lui dire, non, petit, je n'ai pas l'argent. Mais devant ma camarade. If that young boy had posed that problem, when we were just two of us, I would have said, well, I don't have money. But I was there with a classmate. On était à la délégation de l'information. Un chauffeur est venu un jour, il me dit, notre délégué là, quand je veux prendre son argent, c'est quand une femme entre là, j'entre aussi. J'ai dit, patron, il pose son besoin. Il dit, il donne toujours. The driver, when I was at the delegation of information, came one day and said, our delegate, when you want to ask him something, just wait when the lady is getting in, and you get in and you pose your problem. He will always give it. Le moi t'empêche même d'être simple. Self even stops you from being simple. La vie peut te coûter très cher à cause du moi. Life can be very costly for you just because of self. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas vrai, if someone is not true, sa lutte contre le moi ne peut pas être efficace. His fight against self cannot be efficient. Pour traiter ça, il faut être vrai. To treat it, you must be true. Tu calcules tes humiliations. You calculate your humiliations. Tu vois la tyrannie, l'emprise que le moi a sur tes décisions, tes relations. Tu vas commencer à comprendre que ce combat est très sérieux. And you see the grip that self has had over your relationships and your decisions, and you see that this battle has been very serious. Please. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci infiniment. Oh Seigneur, parce qu'à travers ces enseignements, Seigneur, tu ne nous caches rien. Tu, Seigneur, exposes nos cœurs, Seigneur. Tu exposes nos cœurs, tu exposes nos cœurs. Seigneur, tu exposes, oh Seigneur, le moi et ses manifestations. Seigneur, le moi qui peut nous conduire, Seigneur, oh Dieu, à avoir de mauvais caractère, à ne jamais m'abandonner le péché, malgré, Seigneur, le nombre d'années que nous comptons en Christ, oh Dieu. Nous te disons merci, te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement. Et nous prions, oh Dieu, que tu nous accordes, Seigneur, de coopérer avec toi chaque jour, Seigneur, de nos vies. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes de coopérer avec toi chaque jour. Seigneur, de coopérer avec toi chaque jour, Seigneur, pour renoncer à moi-même, pour renoncer au dialogue, pour renoncer au péché, pour lutter, Seigneur, contre le péché. Va voir la victoire, Seigneur.
Si, oh Dieu, le péché est le moi chaque jour de ma vie, je prie, Seigneur, que tu le fasses pour moi, que tu le fasses pour tous les frères, oh Dieu. S'il te plaît, fais le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais mon Dieu, tu peux devenir mon serviteur.